bien. Racontez-moi. Je suis désolée du retard. Je n'ai pas les cheveux gras. Je sors juste de ma douche. Pour ceux qui ont l'anecdote qui date d'il y a maintenant 1 an et demi, ce ne sont pas les cheveux gras, ok? Bonjour, c'est moi, Bœuf, hein. Bonjour, Anna Jean. Merci beaucoup pour ton sub 3e mois. Merci beaucoup, Jean, pour le soutien. Et je tiens à remercier aussi Brazenclaw qui a lâché son sub hier à minuit. Je pense qu'à mon avis, tu as dû le lâcher au moment où j'étais en train de quitter mon stream ou au moment où j'ai quitté ou quelque chose comme ça. Et du coup, je t'avais pas dit merci. Je sais pas du tout si t'es là aujourd'hui, mais en tout cas, je te dis merci quand même, hein. Comment ça va tout le monde? Attendez. Parce que du coup, on vient de se lever. Enfin, je viens de me lever il y a pas très longtemps, étant donné que toute ma famille est encore en train de dormir allègrement. Coucou Créadriane, coucou Tata Bellani, coucou Ambre, coucou Lolo, coucou Amy, coucou Mimi, coucou Charlize, coucou Ravi, coucou Nini, coucou Anna, coucou Astana, coucou Eleia, coucou Jean. Vous êtes bien nombreux déjà ce matin. Coucou Eleia, comment allez-vous tout le monde? Je m'excuse pour le retard. La nuit a été mais catastrophique. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Ça a été littéralement, on a vécu un enfer. En fait, si vous voulez, Liv s'est réveillée à 23h30, un peu avant que je quitte le stream. Elle s'est réveillée et Liv s'est rendormie à 2h30 du matin. 2h30 du matin. Elle avait mal aux dents, mal à la tête, j'en sais rien, mais elle faisait que geindre, se tenir les dents, la tête, enfin. Quelque chose qui allait pas, tu vois, qui la gênait. Donc elle s'est rendormie à 2h30 du matin. Mais bien évidemment, pour continuer et pour ne pas être au bout de nos peines. Coucou Chachouka, coucou Chris, coucou Momiji, coucou Roman. Pour ne pas être au bout de nos peines, c'est Lana qui a pris le relais à 2h30 du matin. Voilà. Elle s'est réveillée à 2h30, 2h45, 3h, 3h15, 3h30, 3h45, 4h, 4h15, 4h30. Et au bout d'un moment, en fait, on a pété un câble. On a pété un câble, j'ai dit, elle se plaignait du ventre. Elle avait mal au ventre, je sais pas du tout, je sais pas, ça fait quelques jours qu'elle se plaint du ventre, on n'a aucune idée de ce que c'est. Et là, j'ai pété un câble et j'ai dit à Nexus, non mais il faut qu'on se divise pour mieux régner, là, c'est pas possible. Donc moi, je vais rester avec Liv et toi, tu vas aller dormir sur le canapé avec Lana, parce que sinon, on va jamais dormir. Du coup, résultat des courses, on s'est endormi, devait être 4h30 du matin, quelque chose comme. Quelque chose de ce style-là, quoi, finalement. Et là, ils sont tous encore en train de dormir. Liv est en train de dormir, Nexus est en train de dormir avec Lana. Tout le monde dort, mais moi, je me suis dit, enfin, moi, je me suis réveillée à 10h30 et je me suis dit, ok, moi, je me rendors pas, je vais streamer, c'est parti. Coucou Tata, coucou Simba, coucou Koopa, coucou Daf, comment allez-vous? Sacrée nuit, mais je sais pas du tout ce qui s'est passé, c'est ça le truc, enfin. Genre, ok, Liv, elle avait un peu mal aux dents en même temps. Eh. Vous voulez que je vous dise, Liv a même pas encore 1 an. Vous savez combien de dents elle a? Est-ce que vous savez combien de dents elle a? Liv va avoir 12 dents. 12. En comparaison avec sa copine Love, qui est la fille de Coco, qui a 1 mois de plus, Love a, enfin, jusqu'à preuve du contraire, avait 0 dents. Liv en a 12, hein. Elle se fait attaquer par les dents. Coucou Elori, nous on n'a pas dormi à cause du chat. Le chat. Non mais oh. Du coup tu vas être de mauvaise humeur vu que t'as pas ton quota de sommeil. Non ça va, avec vous je suis pas de mauvaise humeur. Non franchement c'est. Elle se fait assommer par les dents, c'est un truc de fou. Elles sortent toutes en même temps. Coucou Laetitia, comment vas-tu? Je suis contente de te revoir en stream. Je n'ai pas pu venir ces derniers temps, ça m'avait manqué. Perso, je devais profiter de ce week-end d'SNL avant lundi et la fin des serveurs. Bah nous à CNL, du coup, Pandy, on ira lundi. Lundi, on se fera une grosse session de visite onirique et de multijoueurs sur l'île. Aujourd'hui, on va aller que sur ACNH parce que... C'est pas mal, tu vois. Mais comment ça, 12 quenottes? Non mais oui, on est d'accord. Vous aussi, vous êtes choqués à cette annonce. C'est énorme. Coucou Mandy, coucou Lolupa, comment allez-vous? Coucou Anaïs, comment ça va tout le monde? Hop, attendez, je ferme les fenêtres qui sont là. Donc ouais, elle a déjà 12 dents, donc la pauvre, elle ramasse un peu sec au niveau des dents. Et Lana, ça fait... En même temps, bon, je pense que Lana, on va resserrer un petit peu la vis au niveau des légumes parce que mademoiselle ne veut plus manger tout ce qui est vert. Tout ce qui est vert, tout ce qui est orange, tout ce qui n'a pas la couleur de pâte, de riz, de blé, de quinoa. Bref, voilà. Et ça fait quelques jours, en fait, qu'elle nous dit qu'elle a mal au ventre, etc. Sauf que je pense qu'à mon avis, bah... Il faudrait peut-être juste manger des légumes, madame.
Genre, juste ça, finalement, ça pourrait peut-être éventuellement régler le problème. Coucou Clarinette, comment ça va? Tu sais vers quelle heure tu vas streamer le lundi? Parce que j'ai un partiel en plein après-midi. Bonne question, Théo, j'ai pas du tout fait le planning. Hein. On décore aujourd'hui au choix. Soit on décorationne, hein, soit sinon on va faire des visites des lins. Je sais pas du tout, dites-moi un petit peu sur quoi vous seriez plutôt branché. J'espère que je pourrai passer lundi, je finis plutôt ce jour exceptionnellement, c'est à quelle heure le stream? Putain, mais je sais pas à quelle heure je stream lundi. J'ai pas fait le planning. Du coup, je sais pas du tout, du tout. On est à 137, merci madame. J'allais le demander parce que du coup, j'ai pas du tout regardé avant de lancer mon stream. Où est ce widget de mort? Il est ici. Hop, hein. Mais, supprime-moi. Ah voilà, c'est bon. 137, merci beaucoup madame. Hein. Merci, merci. Il fait peut-être des coliques. Elle est grande pour faire des coliques, malheureusement. Coucou Egalico, comment vas-tu? Je suis l'aînée de la famille. Mes parents ont stressé avec moi 2 mois et déjà 2 dents. Normal. De quoi? Ah, mais Liv a eu les dents très très tôt aussi. Et Léa, enfin mes deux filles ont eu les dents très très tôt. La première dent, elles l'ont eu à 2 mois, 2 mois et demi à peu près comme toi. Là où justement avec Coco, on rigolait parce que sa fille a 1 an et elle en avait toujours pas. Enfin bref... On en rigolait beaucoup, c'est là que tu vois que les enfants n'ont pas du tout les mêmes acquisitions en même temps, quoi, finalement. Et c'est assez drôle, mais du coup, la pauvre, elle se fait un peu attaquer, quoi. Mon image était bloquée sur le timer, je me demandais si c'était normal, et non, au final. Mais je crois que vous avez été plusieurs à subir des petits bugs, là, ce matin. Je sais pas, j'ai l'impression que ça tombe toujours sur ma gueule. Entre les gens qui voient une feuille noire, enfin, une image noire pour le stream... les gens qui ne voyaient pas les sondages, les gens qui n'ont pas la notif, ça va, c'est la fête, on vous dérange pas trop, non, tranquille, coucou moi, comment vas-tu, déjà 137, oui, déjà, putain, on est que le 6 avril et déjà 137, tout en sachant que on a le sub-bâton la semaine pro, bref, hein. c'est juste énorme, quoi, finalement. Coucou Texa, coucou Lexi, comment allez-vous? Du coup, vous seriez plutôt branché quoi? Vous seriez plutôt, on va décorer... Putain, du coup, j'ai mes cheveux qui sèchent, ça fait nimp, hein. Vu que j'ai pas pu les sécher à la mano, c'est trop... Les débuts de mois, le 70-30, on te l'expose. Ouais, non, mais on est que le 6 avril, c'est un truc de fou. Vous seriez plutôt branché quoi, les amis? Plutôt... Viesidil? Fatigué? Alors, moi, je vais me coucher, finalement. Visite deal ou alors plutôt on continue la déco. Plus visite perso, j'avoue, sûrement parce que mon île attend. visite. Ah ouais, d'accord. Visite, hein. Ok. Non, mais très bien, c'est pas grave, c'est pas un souci. On va reprendre là où on en était arrêté, puis on va voir ça. Maminette, merci beaucoup. Bonjour pour ton 4e mois de T1. Merci énormément. Merci, merci. Trop de soutien, merci beaucoup. Elles sont où mes petites visites d'île? Elles sont là. Il y a Sephora Riti qui nous a spammé toutes ces décos là de maison là. Coucou Shiro, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je suis peut-être la seule à vouloir la déco. Non, vous avez été 3. Vous avez été 3. Attendez, j'aimerais bien allumer mon jeu. Coucou Yoni, comment vas-tu? On va se passer sur cette... Ouh, pourquoi il fait tout blanc d'un seul coup? Vas-y. Ok, bon. Il a fait tout blanc, là, d'un seul coup. On aurait dit qu'il y avait le paradis qui venait me chercher. Au bout d'un moment, ça suffit. Hein. Il faut peut-être se calmer. 137 sur 300. El Gato, on s'allume. On allume la Switch. Le sondage qui ne marche pas sur mobile. Ouais, je sais. Coucou les loulous. Je me suis un peu trompée ce matin quand j'ai marqué mon message dans le serveur Discord. Je m'en suis aperçue après. M'en voulez pas... J'ai marqué les loulous au lieu des loulous. Hop! Voilà, courage les androïdes qui peuvent pas sondager. Mais est-ce que les prédictions, ça vous fait la même chose? Est-ce que vous avez aussi un bug avec les prêds? Ou alors c'est que... Hop! Ou alors c'est que avec... comment ça s'appelle hein? Attendez, je me suis bourrée. Ah, oh, j'y arrive pas à faire mes trucs aujourd'hui, là. Donc oui, est-ce que vous avez... Mais non, mais moi, c'est pas ça que je veux. Ok, projecteur fenêtré. Ok, c'est bon. J'ai réussi à l'avoir. Oh la vache! Eh, il faut réfléchir sur ces streams pour avoir ce qu'on veut, hein. Oh,
Putain, pendant un moment donné, j'ai cru que vous m'aviez fait comment dire, une égalité entre déco et visite d'île. J'étais en train de me dire, oh là là, mais ça va pas du tout. Coucou Erisa, comment vas-tu? Mais non, en fait, c'est juste que j'avais pas vu le bout du bout. Il faut remettre les codes pour les visites? Non, pas besoin, voyons. J'ai déjà tout en ma possession qui est juste là-haut. Il n'y a pas besoin. On va se débrouiller, vous inquiétez pas. Nickel, je suis en train de recommencer à CNH, je vais tenter le 100%. Chose que je n'ai jamais fait le 100%. Je vous admire sincèrement. Franchement, tous les délires de Miles là où il faut pêcher 5000 poissons, 5000 trucs et tout, moi je ne veux pas. C'est vraiment une partie du jeu que je n'aime pas du tout. Je trouve ça long. Ça m'ennuie quoi. Ça m'ennuie, ça m'ennuie. Moi c'était plus souvent avec les prêts, là ça marche avec mon nouveau tel. Donc toi c'est plus les prêts hein, avec lesquels ça bug. Plutôt que... C'est marrant, hein? Vous en savez plus sur la mage de Coral Island? Je crois qu'ils ont toujours rien annoncé. Je crois qu'ils ont toujours rien annoncé. Ça rappelle l'époque des badges ACNL qui manquent. Ben, en soi, les badges ACNL, c'est les miles. Hein. On peut clairement voir ça comme ça. Hein. Après, c'est juste que là, après le 8 avril, il y aura des badges qui seront inatteignables. Hop. Est-ce que le son du jeu est peut-être un peu fort? On va le réabaisser. Bam, hein. Et on va aller se faire une petite visite du matin. Madame, alors ça fait quoi de savoir que votre fille vous imite avec son ordi Reine des Neiges? Chut, je refuse. Je refuse que mes enfants grandissent, je refuse. D'ailleurs, je dois absolument quitter le stream à 14h max parce que j'ai ma petite louloute. On lui a promis qu'on l'emmenait, vous savez, dans des trucs de jeux pour enfants, là. Royal Kids, je crois, un truc comme ça, bref. Pour son anniversaire. Donc du coup, on va à ce truc-là cet après-midi. Par contre, on va être en décalage total parce que là, j'ai aucun enfant qui est réveillé. Oh, on va faire pique-nique, hein? On va faire pique-nique. Attendez, je réfléchis, je réfléchis. Coucou Evaluna, comment vas-tu? Ouais, c'est les visites de la dernière fois, pas besoin de remettre votre code. Je vais pouvoir retouchoper sur le serveur Discord, hein? Parce que là, il est 11h40. Tout le monde dort encore, enfin Nexus et les deux enfants quoi finalement. Elles vont déjeuner vers midi. Ça va finir en pique-nique cet après-midi. Hein. Je crois qu'il fait beau aujourd'hui, un truc comme ça. Ouais, je crois qu'il fait 25 ou 26 degrés, un truc du style. Hein. Hop. Oh, le caldo Royal Kids, mon neveu veut y aller. Royal Kids. Je sais pas où est-ce qu'il est, ce Nexus qui s'est occupé de ça pour être honnête avec vous. Je crois qu'il est pas loin de la maison, je crois qu'il est à 15 minutes, un truc du style. Donc il doit se trouver vers plaisir ou un truc du bail quoi finalement. Utilisez un code, hein. C'est parti, bam, hein. On y va, j'ai une astuce avec les poissons, je vais en choper 10 par jour et je devrais y arriver sans en louper. Déjà, moi, à chaque fois que je chope un poisson, je le loupe. Je sais pas comment est-ce que vous faites. Je n'y arrive pas. Comment ça se fait qu'on est déjà le 6 du mois et qu'on est déjà quasiment à la moitié des points du 70-30? Et je sais pas. Coucou Pirouette, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Vous êtes beaucoup trop on fire. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. On se choisit une petite île. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, qui est là ce matin pour faire les visites d'île? Hein. Je risque de tomber sur des gens qui ne vont pas être là, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. On demande un chiffre et on voit qui est-ce qui est là ou pas. Coucou Célina, comment vas-tu? Je commence à être malade et voix cassée. Oh, t'as eu le même truc que moi. T'as eu le même truc que moi. D'ailleurs, en mars, c'était aussi 300, il n'y avait pas 350. En fait, si tu veux, le vrai 70-30. Pour être admis sans examen, c'est 350 qu'on a atteint 2 mois de suite. Et sinon, bah, c'est 300, tu vois. Coucou Missy et merci John. Bien grosse bonsoir, fête Missy. Pour John. Merci beaucoup pour le 28e mois. Merci énormément. En T3 en plus, John. Merci beaucoup. Vous devriez garder... Moi, je dis ça, je dis rien. Mais vous devriez peut-être garder vos messages de resub pour la semaine prochaine. Après, vous le savez, quand je fais des subathons, il y a toujours une option gratuite de participer au compteur, hein. Mais je serai vous, je garderai mes messages. Coucou Tiga, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Attendez, dis Siri, donne-moi un nombre entre 1 et 17. Un nombre aléatoire entre 1 et 17 font 13. Tu m'agresses, Siri, là, dès le matin.
se calmer, hein. Bon, attendez. Il vous a pas crié dans les oreilles, là? Ça va bien, et toi? Bah, écoute bien. On est à moitié réveillé, mais ça va, tranquille, hein. 17. Il faut qu'on compte 13, pardon. Mais crée Adriane, hein. Mais pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter autant de gâteaux? Oui, bien sûr. Autant de gâteaux. Autant de cadeaux. Merci beaucoup pour les 10 subs offerts, hein. De gâteaux. C'est pas du tout un gâteau. Merci beaucoup, crie Adriane, pour les 10 subs offerts à Luna, Raflax, Gwen. Attends, je vois même pas tous les pseudos. Quincess, Gaël, Papa Juice, Sakuré, enfin voilà. Voilà 10 gâteaux. C'est terrible, pourquoi des gâteaux? C'est trop. Merci beaucoup, crie Adriane. C'est quoi le max le 14 avril que je chasse combien? Le max au ce bâton? J'ai pas mis de max parce que je me dis qu'on l'atteindra pas. Voilà. La dernière fois, on avait fait 17 heures et on était large. Voilà. J'ai pas mis de max parce que je m'étais dit que c'était bon. Tu vois, bon, attendez, je compte. Je compte jusqu'à 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est tombé sur Eva Luna. Est-ce que tu es... Oui, je crois que je t'ai vu tout à l'heure dans le chat. Alors, la nouvelle cam, t'as réussi à la convig? Pas du tout. J'ai été me coucher après le live hier. Jirage quitte la planète. J'ai fait bon, moi, les gars, je vais me coucher. Allez, salut. J'ai encore jamais... Hein? De quoi, John? Mais t'es un grand malade, mais ça va pas. Donc ouais, j'ai pas mis de limite, parce que je me suis dit qu'on était large. Voilà, on va aller dans la ville de Storybrooke, qui est un thème Once Upon a Time. J'ai les refs cette fois-ci. J'ai les refs, hein. J'y règne depuis 9 mois, c'est sur les contes de fées. L'île est faite avec la plupart des pièces des maisons. J'ai les refs cette fois-ci, j'ai vu la série. Est-ce que tu te rends pas compte? Est-ce que c'est pas juste incroyable? Coucou Butterfly, comment vas-tu? 3606, hein. 6099, hein. 79, hein. 32. Est-ce qu'on changerait pas le titre de ce live par hasard, hein? Tout le monde, je sors de mon leurre pour remercier Cré Adriane. Merci Raflax. Oh, coq. Tiga, je vais pas y arriver aujourd'hui. Je suis désolée. J'ai le vocal qui bug. J'ai le vocal. Attendez, visite de vos îles. Oh, c'est difficile, hein. Non, mais ça suffit, crée Adriane, hein. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts. Encore des gâteaux. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Cré Adriane, pour ton soutien. Coucou Jai, coucou Lucie, comment vas-tu? Lucie, pardon. Il n'y a pas à faire des raccourcis comme ça de pseudo. La dame ne s'appelle pas Lucie, finalement. Ne lui invente pas des noms, quoi. Merci beaucoup, Cré Adriane. Faut faire ça samedi prochain. Chut, lui dites pas. Oh. J'ai pas prévu de rester là pendant 58 heures la semaine prochaine. Hein. Voyons, ça suffit au bout d'un moment. Je dis si je veux, ça va être long. Franchement, le 4h du matin, 7h du matin, je le vis mal à chaque fois. C'est long. Mais c'est long. C'est un délire, hein. C'est terrible. Je ne serai pas là, malheureusement. Ouais. Pardon. Le Just Dance. Et vous savez que j'ai la place pour faire Just Dance? Est-ce que vous savez que j'ai la place? La saloperie. Chut. Vous savez que j'ai la place pour faire Just Dance? En fait, on a poussé un petit peu mon bureau. Pas grand-chose. On a poussé un petit peu le bureau. Et du coup, maintenant, je peux me lever. Sans me taper la tête. Hein. Oh! Attendez. Il faut se lever de façon à ne pas tomber. Je peux me lever! Bref. Bon, là, la cam n'est pas du tout gérée pour que... Voilà, quoi. Mais je peux me lever maintenant. Si ça, c'est pas incroyable, hein. Oh meuf, chaque sub, une minute de tapis. Ça va pas, hein, t'es malade, hein, je veux pas finir mon sub-bâton en étant les rotules à quatre pattes parce que j'aurais fait, je sais pas, moi je te dis une connerie, j'aurais fait 4 heures de tapis. Hein. Je vais finir le truc, je vais être sur les rotules.
au bout d'un moment, faut se calmer. J'aurais fait 50 000 pas là, c'est trop. J'étais trop désolée. En plus, le tapis passe pas. Oula, le réveil est dur. Hein. Allô, on bosse depuis 9h du matin là. Hein. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment il m'a regardé mal? Lana est réveillée? Elle est en train de ranger. Bah oui, tu lui as pas mis des animaux dans son sac. Forcément. Ah, c'est pas moi qui ai rangé les Legos, c'est toi. C'est trop mimi les nains comme ça devant la mine, hein. C'est trop mimi, bienvenue à Storybrooke. Les maisons, les personnages sont la plupart habillés avec leurs phrases de référence. Merci bien, madame. Ah, la nuit fut bonne, hein, quand même. Vous avez passé une bonne nuit, éventuellement. Liv, elle est où? Elle dort dans son lit. Je l'ai reposée à 8h du matin, elle s'est réveillée à 7h... Elle s'est réveillée à 7h10 parce qu'il faisait grand soleil dehors. Bah, elle m'a tapé comme ça avec sa main sur la tête. elle s'est levée, elle dormait avec moi, elle m'a fait... Parce qu'il y avait du soleil dehors. J'ai joué avec elle pendant un petit quart d'heure, tu vois, en me disant, bon, elle va peut-être se rendormir au bout d'un moment. Puis je me suis dit, non, mais dans tous les cas, elle se rendormira pas parce qu'il y avait la lumière. Je l'ai posée dans son lit, elle s'est rendormie, depuis, elle s'est jamais réveillée. Coucou Zectra, comment vas-tu? Coucou Shaima, comment allez-vous tout le monde, hein? Mais pourquoi je suis bloquée par des bouquins, là? Il n'y a pas à me bloquer comme ça, en fait, hein? Comment allez-vous? Bah, moi, j'ai bien dormi. Nexus à sa tête, je dirais un peu moins. T'as été avec Lana ou pas? Elle a arrêté de se réveiller une fois que tu dormais avec elle en fait. Mais non, mais sans blague, c'est pour ça que je t'ai dit que t'avais bien dormi. Attendez, y'a Nexus qui réalise là. Mais oui, il est midi bientôt. Nous, ça fait déjà 1h30 là, on est en live. Hein. Non, c'est faux. Ça fait 40 minutes. Coucou Isa, comment vas-tu? Je suis arrivée en retard en live. Ouais, mais il faut. Non, mais il y a le temps de préparation, les gars, aussi. Il y a le temps de préparation. C'est-à-dire que je me suis coiffée, je me suis. Tu vois, j'ai pris ma douche, j'ai petit déjeuner. Il faut compter le temps de préparation aussi. Lovely Jenny, merci pour ton 29e mois. Oui? On va aller faire les courses avec un petit caddie? Ouais, c'est ça. Non, mais là, on va pas aller nulle part, en fait, chérie. Là, on visite Storybrooke. Tu vois ça avec ton père, hein? Pourquoi l'entrée de Storybrooke, elle est là? Attendez, est-ce que je me suis perdue un petit peu dans le chemin? Oh, ça, je connais, ça c'est la maison de la Reine de Glace. Hein. Je m'en souviens très très bien. Je sais plus à quel moment ça intervient, à quel moment dans la série, mais je crois que c'est ça. J'ai la ref, hein. Vous avez vu ça un peu? Si c'est pas incroyable. Hein. Hop, est-ce que je peux pas prendre le tuyau? Allez, on saute. Hein. Bah vas-y, tousse-moi, je te dirai rien. Tousse-moi dessus. Enfin... Ça suffit. Saison 4, Fluff a une ref. Bien sûr que j'ai une ref. Ça, c'est la route. Ça, c'est la route ici, là. Ici, t'es dans la zone pas magique. Ici, t'es dans la zone magique. Oui? La route. Nexus, il est perdu. Isa, merci beaucoup pour ton, T3 30e mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Attendez, l'homme est perdu. On va essayer de remettre l'homme dans le droit chemin. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que tu fais déjeuner les enfants. Et quand tu vas aller à Carrefour, tu vas acheter de quoi faire un pique-nique tout à l'heure. Pique-nique. Voilà, l'enfant est d'accord. L'enfant veut pique-niquer. Un pique-nique, c'est manger des sandwichs. Ça te va? Elle a dit oui, mais si elle connaît les sandwichs, appelle la teuteu aussi, on te dira rien. Hein. Teuteu. Teuteu. Il y a un peu la menu des Dreamcast. Crochet, je... Oui. T'as un problème là.
Mais quel est le problème, hein? Pourquoi tu vois des problèmes? Moi, je ne vois que des solutions. Non, je ne vois que des problèmes, moi. Mais ça, c'est pas de ma faute si, si tu vis ta vie défaitiste, hein. Non. Je vis ma vie organisée. C'est la route, ouais. C'est Lana qui va faire la visite, ça vous convient? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Une voiture. Ça, c'est quoi? Un camping. Merci, Ne... Mais putain, mais vous êtes à peine gênant, quoi. Hein? Merci, Nezuko, pour le follow. Non, mais entre l'autre qui tousse, l'autre qui éternue, genre, c'est trop... Oh, ça, c'est l'épée de Rumpelstiltskin. Celui qui a un nom qui est imprononçable, hein. Rumpelstiltskin. Un truc comme ça, je crois, non? La route. C'est la route. Lana ne reconnaît que la route. C'est la route, ok? La route. Nexus, il a réveillé toute la ville. C'est la route. Oui, c'est la route, mon amour. La route aussi. Aïe, aïe, aïe. À ce sens-là, je reconnais pas... Le garage, j'ai pas la ref. Comment vas-tu, Nezuko? Non, mais arrête de me tousser dessus. Mais arrêtez! Vous m'empoisonnez mon air, hein. Non, mais là, on va aller dans la maison. Tu veux pas refaire un gâteau comme la dernière fois? Non, bah, il y a mon anniversaire lundi. Non, 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 pour mon anniversaire, je sais déjà quel gâteau je veux, je suis désolée, hein. C'est le grand dinner. Mais non, toi, c'est fini ton anniversaire, maintenant c'est le mien. Hein. Maintenant, c'est le mien maintenant. Ouais, exactement, Nezuko. Non, c'est le mien. Toi, t'as eu 3 ans, maman, elle va avoir 28 ans. Mais non, c'est fini. Ah oui, ça, je reconnais en effet. Avec le petit chaperon rouge, je reconnais bien. Il faut fêter l'anniversaire. Ben oui, c'est lundi. Laissez-moi avoir 28 ans tranquillement. Non, c'est le mien maintenant. Non, c'est le mien, Madonna. Mais non, c'est le mien. Yeah, mais c'est pas une blague. Hein. Mais c'est trop. Et maman est vieille. C'est qu'un seul jour, dès que tu fais deux, c'est fini. 28 ans seulement, je pensais que t'en avais 30. Oh, j'aurais pas aimé. Quoi? Alors déjà, c'est pas elle, c'est il, c'est John. Voilà. Oh, ça, c'est les chambres où il y a le capitaine Crochet. Et Pinocchio. Enfin, ils y sont allés à un moment donné, ok, tu vois. Il est où le pantalon de la touffe? Pourquoi il y a pas de pantalon là? Je sais pas. Il se passe des trucs bizarres dans cette maison. Aïe 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 aïe. Attendez. Et ça, je pense que j'ai pas la ref. Ça doit être un endroit qu'on voit pas trop dans la série. Du coup, j'ai pas la ref. Hein. Mais bon, ça doit faire partie du diner. Enfin, t'as compris, quoi. Aurore, merci beaucoup pour le 11e mois. Coucou. Merci beaucoup. Mais si, c'est toi qui l'as voulu en jeu. Tu m'as dit, ah, mais t'as pas... Oh, t'as enlevé un truc. Allô? T'en as fait quoi de la robe? Mais je sais pas! Putain, mais allez-vous-en d'ici! Non! C'est toi qui lui a enlevé cette nuit! Mais je sais pas, il est dans le salon, dans la cuisine. Eh, on a que 70 mètres carrés, hein! C'est pas un château ici, c'est pas Versailles, hein! Mais justement, c'est toi qui lui a enlevé ou tu l'as mise! Oh, il nous gonfle! On fait à l'est, bon, ça y est! L'atelier de Geppetto! Geppetto, tu connais Geppetto? Oui, c'est... Ça ressemble bien en vrai, hein. Les détails sont pas mal, sont très très bien réussis. Hein. Quand on a les rêves, ton île prend tout de suite tout son sens. Je crois que je l'avais déjà visité quand j'avais pas les rêves et du coup, bah c'était pas pareil. C'était vraiment pas pareil. Non mais t'es en forme, ma foi, non mais il a dormi jusqu'à midi, ça y est, là il se sent pousser des ailes. Ouais, ferme la porte, chérie. Papa, il est embêtant. Fou, hein. Ça suffit, hein. Au bout d'un moment. L'hôpital, oui. Coucou Nelly, comment vas-tu?
Et bonjour Chérou. Alors, c'est pas une partie qu'on voit trop, l'hôpital. Enfin, c'est l'endroit où il y a le prince charmant qui est dans le coma, là, au début, là. Je crois que c'est un truc comme ça. Je peux pas y aller? Je peux pas passer? Oh, on m'a bloqué. Oui, c'est Storybrooke, Aurore. Tu as déjà vu la série? Ah bah si, je peux passer comme ça, en fait. Hein. Suffisait juste de... Tiens. Genre, suffisait juste de rush un petit peu, quoi. Alors ça, j'ai l'impression que c'est Belle, hein. L'endroit psychiatrique où il y a Belle. Je sais pas. Moi, j'ai jamais terminé la série Once Upon a Time parce que je trouve qu'il y a un moment donné où ça part en... Voilà. Ça part un peu en n'importe quoi d'un seul coup. Le début est vraiment super, genre j'ai adoré. Et puis il y a un moment, tu sais pas pourquoi, ça commence à partir en steak, hein. Mais d'une puissance. Hein. Merci beaucoup Sarah, comment vas-tu? Merci pour le follow. C'est la jambe de Belle Amnésique. Ok, coucou Kelly. Ah, non, elle a rien bu, personne n'a rien mangé. C'est quoi ça? Mais moi j'ai déjeuné sur la table, genre juste à côté de vous, personne ne m'a capté. Hein. Mais tout le monde dormait. Mais je vous ai laissé dormir? Ah, en fait. Pourquoi? Mais parce que midi, meuf. Mais ça vous a fait du bien, c'est pas grave, hein. J'ai des choses à faire, moi. Mais c'est pas grave. Mais il va se plaindre parce que je l'ai laissé dormir jusqu'à midi. Ah oui, c'est pas normal, en fait. Mais tu me casses les... Moi, gentille, hein. Je le laisse dormir et tout parce qu'il est, il est fatigué, il a besoin de sommeil, hein. Ah, ça, je reconnais, ça, c'est l'hôpital psychiatrique. Où t'avais Belle qui était enfermée, là. C'est bon, ça, j'y suis. Non, mais... Oh. Il se plaint parce qu'il a dormi, là. Non, mais je te jure. Trop énergique, mais c'est ça. Inata, merci beaucoup pour ton 5e mois. Continuez, surtout. Hein. Pensez bien à lâcher tous vos subs aujourd'hui et pas la semaine prochaine. Comme ça, on aura moins de temps au compteur. Coucou Tipeee, Viane, merci beaucoup pour le follow. Prochaine fois, c'est réveil à 7h30 avec des casseroles. Eh, vraiment? Je te le dis, oui. Coucou Tipeee, hein. Je te le dis, la semaine prochaine, je prends une casserole et une cuillère en bois et je tape dessus jusqu'à ce que tu te réveilles. Hein. Tu vas voir, hein. Non, mais tu vas voir, tu te plains, là, de que je t'ai laissé dormir, hein. Merci, Jade, pour le follow. Non, mais oh. Du coup, Gepetto, j'ai vu. On va redescendre. On va retourner sur la grande route principale, hein. C'est la nuit qu'il faut dormir, il est en train de dire à ses enfants. Ça va, pour une fois que ça arrive. Là, à l'entendre, on dirait que c'est dramatique qu'ils aient dormi jusqu'à midi, Ça y est. Y'a pas mort d'homme, hein. Ici, on est allé. Ici, du coup, c'est... Ah, oh là là, mais je reconnais bien, là. Putain, mais quand on fait la visite de la ville avec les refs, c'est totalement différent. C'est la grande horloge de Storybrooke qui est bloquée sur je ne sais plus quel horaire, hein. Attends. J'ai les refs. Si ça, c'est pas incroyable. Elle dit quoi, elle, hein? Derrière la bête est Rumpel, hein. Je me souviens plus qu'elle dit ça. Mais c'est très fort possible. Je passerai la semaine pour... Non. Je préviens, je me vengerai de la saloperie de tout à l'heure. Ça venait du cœur. C'était de l'amour. C'était de l'amour. Maison de Belle. Ok, vas-y, on y va. J'imagine qu'il va y avoir la salle de Rumpelstiltskin aussi, d'ailleurs. Allez, tiens, on boit. Voilà, j'ai picolé. Ouh, c'est le bazar. Il y a plein de petits endroits assez exigus. On va passer par ici, bam. Hein. On rentre dans cette salle. Hein. J'ai pas trop reconnu pour le moment, mais après... Non, c'est ailleurs, ça. C'est pas la maison de Belle? Ah si, c'est la maison de Belle, ok. Ah, j'ai peut-être pas été jusque-là dans la série, du coup.
Parce que moi, je me suis arrêtée au moment où elle était à moitié avec Rumpelstiltskin. Je dis à moitié parce que même eux, ils savaient plus trop où est-ce qu'ils en étaient au niveau de la relation amoureuse là. Nini, merci beaucoup pour tes beats. Et arrête de vouloir motiver tes foules dans ta secte là. Non mais enfin, ça suffit, hein. C'est la maison de Belle dans la saison 6. Ah, je crois que je me suis arrêtée à la saison 5. Je crois que je me suis arrêtée à la saison 5 dans mes souvenirs. Justement. Donc c'est peut-être ça. Saison 5 vers la fin, un truc comme ça. Gwen, merci beaucoup pour ton prime. Et coucou, Merci, et merci. Et une coucou. petite cuisine. Bah écoute, très belle cuisine. Cuisine, c'est Schmitt. Et puis c'est très bien. Merci beaucoup pour le 24e mois. 2 ans! 2 ans pour Gwen, hein? Attendez! C'est un anniversaire de sub, hein? On n'a pas de musique d'anniversaire. Voilà, super. Voilà. 2 ans, Gwen. Mais oui. Ça ne va plus. Rien ne va plus. Ça, c'est pas une maison, ça, c'est une maison d'habitants. Ça, c'est chez... C'est le lapin? Le lapin qui est pressé, je sais plus comment il s'appelle, hein? Docteur Whale, hein? Oh, oui, Docteur Whale. Oh là là, le chapelier, voilà, c'est ça. Bah, chante au pire. Non. Monsieur Gold, ah bah voilà, Rumpelstiltskin, on vient de le trouver justement, avec le rouet, oh là là. Rumpelstiltskin qui est en train de tisser de l'or là ici. Mais quel délire. On va aller voir la maison de Monsieur Gold. Chante au pire, non, je pense que personne n'a envie d'entendre ma douce voix ce matin. Happy birthday to you! Oh putain, tu l'as super bien réalisé! Happy birthday to you! Happy birthday Comment j'ai abusé! Franchement, la maison, elle est super bien réalisée là. Oh non. J'espère que tu es heureuse, Gwen. Contente d'être passée. Coucou, Ash, comment vas-tu? C'est quoi? Je me souviens pas de ça. Comment vas-tu, Ash, hein? Demain, c'est mes 2 ans de sub, t'inquiète que je demande pas. Tu veux pas une petite chanson? Oh. Vous êtes difficile. Vous êtes difficile quand même, hein? Il y a des gens, ils seraient quand même très heureux d'avoir des chansons comme ça, hein. Coucou Ilaya, comment vas-tu? C'est l'arrière-boutique. On la voit beaucoup dans la série. Franchement, c'est giga bien réalisé quand même, hein. Oui. Bah, j'ai juste un esprit qui est vieux, enfin, pas de mémoire, quoi, finalement. J'ai peau de mémoire, hein. Est-ce que ça vous étonne après? Non. C'est normal. Oh, la salle avec Belle, hein. Ça, je m'en souviens très très bien, par contre. Dès la saison 1. Je pense que vu que ça fait un moment que j'ai pas regardé la série, je me souviens que des endroits qu'on a vus quand même régulièrement, tu vois. Genre tout ce qui est arrière-boutique et tout. J'avoue que bon. Mon château, ouais, ça, je m'en souviens. Hop. Ici, on a la boutique. On a le parking. Maison de. C'est quoi ça? Il y a une embrouille dans mon salon, je vous raconte. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, Lana, pour elle, le roi lion, c'est que le roi lion 1. Ok? C'est pas le roi lion 2, sauf que Nexus essaye de lui faire comprendre qu'on pourrait peut-être regarder le roi lion 2, tu vois, aussi. Et du coup, il y a Lana qui lui dit « Je veux un autre roi lion! C'est pas le roi lion! » Si Henri meurt, vous mourrez. Ça va, hein. Faisons, hein. On va pas lui faire du mal, hein, à Henri, hein. En vrai, le 2 est pas si fou. Moi, j'ai bien aimé le roi lion 2. Je l'aime bien, moi, le Roi Lion 2. C'est comme Ariel la petite sirène, tu vois. Ariel la petite sirène, elle adore le 1. Et elle veut pas. Enfin, le 2, ce n'est pas Ariel.
On a déjà essayé de lui faire regarder. Le 2, c'est pas Ariel. Et on a beau lui expliquer, mais si, bah non. Coucou les cheese, comment vas-tu? Merci Miss Alfaris pour le follow, bienvenue. Là, on est où? Romise Sittle. Ronise. Hein? J'ai limite préféré le Roi Lion 2 que le 1. Moi, j'aime bien hein, les deux Rois Lions, je les trouve vachement réussis. Vraiment pour le coup, hein. J'ai pas la ref, merci Pika Girl pour le follow. Bienvenue. Saison 7, ça. Ah, c'est ça. J'ai été jusqu'à la saison 5 fin. Ça, c'est Peter Pan 2, je peux pas, il n'y a pas de scénario. C'est le 1, mais en nul. Bah déjà, moi, personnellement, Peter Pan, j'ai jamais trouvé que ça cassait trois pattes à un canard. Personnellement. On va pas se mentir. C'est mignon, hein, Peter Pan, mais c'est pas... Voilà, c'est sympathique, mais c'est pas non plus incroyable, quoi, finalement. Ouais, bah, j'ai pas... Mais la 7 n'a rien à voir avec le reste. La 7, c'est quand Henri est adulte. Mais moi, j'ai jamais vu, du coup. Hop. Oh là là. Il y a une battle dans mon salon, là. La pièce du fond, c'est accessible par la gauche du bar. Ok, merci, madame. Je déteste Peter Pan. Franchement, Peter Pan, je... Ça ressemble à la cuisine qu'ils avaient dans la maison de Blanche-Neige, ça. La saison 6, ça n'a plus rien à voir avec les six autres saisons. Faudra que je reprenne à la limite. Je me suis arrêtée à un moment donné où c'était un peu ramplan-plan. Ça tournait un peu en boucle. Enfin voilà, c'était pas faramineux, quoi, on va dire. Hein. En étant en psycho, pour moi, Peter Pan, c'est un syndrome. Ouais, le syndrome de Peter Pan. En effet, c'est pas la même rêve que tout le monde, quoi, finalement. La saison 7, c'est une toute autre histoire, mais pas les mêmes persos. Personnellement, j'ai pas aimé. Hop. Puis il leur arrive toujours des trucs dans cette série. Au bout d'un moment, j'étais en mode, oh là là, ça y est, faudrait doser aussi. Oh là là. Ah bah ça, je reconnais, ça, je connais. Oh là là, le pauvre. Il est en tôle, hein. Coucou Enali, comment vas-tu? On va aller voir en haut qu'est-ce qu'il y a dans cette maison. Je laisse mon petit large, je vais faire mon ménage. Courage pour le ménage, Aurore. Quelle phobie. Est-ce qu'on a envie de faire le ménage? Absolument pas, finalement. Et ça, j'ai pas la ref, malheureusement. Mais au moins, je l'avais en bas. Moi, ce que j'aime bien dans Peter Pan, c'est le double sens caché, comme dans Alice au Pays des Merveilles, finalement. J'avoue que franchement, autant Alice au Pays des Merveilles, j'ai adoré. Mais autant Peter Pan... Je sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est marrant parce que j'ai une autre partie de l'île là-bas. Et je sais pas du tout comment y accéder. Je pense qu'à mon avis, il faut y accéder par l'autre côté, je sais pas. Par l'eau? Je sais pas, c'est une très bonne question, faudra qu'on voit ça. Coucou Nymphalis, j'arrive pas à me réabonner. Quoi? C'est peut-être parce que ton sub s'est enlevé. Mais... Ah, entre les gens qui voient pas les sondages, ceux qui ont pas les notifs, ceux qui arrivent pas à se réabonner, Twitch, hein, vous êtes plutôt, ma foi, hors pair, je trouve, hein. Merci Enali pour le follow. C'est par chez Regina à droite le musée. Par chez Regina. Ouah, attends madame. Ok, le musée. Attends, on va y retourner. Alors, j'imagine qu'il aurait fallu que je trouve une échelle pour monter. Il y a beaucoup de bugs, surtout via télé et tablette. Est-ce que t'es sur téléphone, Yuni, ou pas du tout? Ok, ici, on était déjà venu. C'est possible que ce soit un bug via télé, hein. Je sais pas.
Il y avait déjà une échelle. Ah, il y avait une échelle, hein. Pardon. Ok. Madame, enfin, cliquez, quoi. Ça suffit. Donc, attends, il faut qu'on retourne vers le musée. Oh, les sept nains, pardon. Salle de surf. Ça, c'est le port, ça, je reconnais. T'es qui, toi? Les lasagnes, la spécialité. Eh ben, les lasagnes, ici, c'est pas la spécialité, moi, je te le dis. Hein. Ici, j'imagine que ça va être le bateau de crochet. Tu as passé la maison d'Emma. Ouais, mais attends, là, j'ai des trucs qui sont accessibles. J'irai après. J'ai eu du mal aussi à mettre mon resub. J'ai dû fermer l'application et revenir. Putain. Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est genre dédié que à ma chaîne? Genre, les autres, ils ont pas les bugs comme ça. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? Ok, la maison est pas terminée. Genre, quand je me balade sur d'autres streams, je vois pas autant de gens qui se plaignent d'avoir des sondages buggés, des prédits buggés, Je sais pas, genre, j'ai l'impression que tout coule de source. Ils ont tous les notifs, y a aucun problème, genre. Moi, chez moi, c'est, y a pas de sondage, y a pas de prédiction. On peut pas se resub, y a une erreur, y a des écrans noirs. Hein. C'est drôle, genre, laissez-moi tranquille, hein. C'est pas chez toi, t'inquiète pas, c'est un truc de fou. Tous les gens qui arrivent en mode, j'ai pas eu de notif. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre. Ça bug chez toutes les personnes que je regarde. Ah bah, c'est juste que visiblement, vous êtes... Vous plaignez beaucoup, quoi. VS les autres. J'ai toujours pas reçu la notif. Aïe, aïe, aïe. Attendez, il faut qu'on descende comme ça. Donc, tu m'as dit par le musée. J'imagine qu'il va falloir que je saute en face. Attendez. Je suis en train de faire un saut de mouton, là. Je crois que je suis passée. Est-ce que c'est parce que je me suis retrouvée dans le pays imaginaire? Secours! À l'aide! Je crois que j'ai pas trouvé le bon chemin. Coucou Nejime, comment vas-tu? Tout à fait, tu y es. Mais il est où le chemin? Il est où le chemin? Je suis bloquée dans les arbres! C'est pas le bon chemin. Ah merde. Vas-y, indique-moi. Est-ce que ce serait pas là? C'est bon, je me suis... Je me suis... Et en effet, on est bien au pays imaginaire. Hein. Donc j'ai eu une bonne intuition quand j'ai vu toutes les broussailles, tous les trucs. Est-ce que tu peux mettre ton code onirique dans le serveur Discord, dans le général ACNH Aurore? Coucou Nono! Comment vas-tu? Enfin, tes codes, du coup, de ce que j'ai compris, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Ok, bah là, c'est le pays imaginaire Peter Pan, finalement, quoi. On reconnaît bien, c'est très touffu. Très la jungle, hein. Eh bien, écoute, ça faisait plaisir de visiter ton île, hein. En ayant les rêves cette fois-ci, quoi. Parce que bon, il me semble que je l'avais déjà visitée. Je crois qu'elle n'était pas finie. Je l'avais déjà visitée et j'avais pas du tout de rêve ou quoi que ce soit, parce que j'avais jamais vu la série de ma vie. Donc, c'était un peu... C'était pas ouf, quoi, on va pas se mentir, hein.
quand on a les refs, on va dire que tout de suite ça change beaucoup de choses, quoi. J'ai pas les refs, hein. C'est crochet, c'est crochet, c'est crochet. Je vais écorcher un croco, calme-toi, crochet. Pas besoin d'être aussi énervé, finalement. Hop. Merci bien pour cette visite. J'ai trop cool. Quand on a les refs, tout de suite, ça change tout. Attendez, bam, on va supprimer le message. On va attendre le code de Aurore. Hein. Donc là, il va nous en rester 17, du coup, avec l'île de Aurore. Bah, c'est parti. Dis, Siri, dis-moi un nombre entre 1 et 17. Un nombre aléatoire entre 1 et 17 fois 1. Et bien, au moins, c'était pas... Voilà, hein. On va pas chercher trop longtemps. Hein. On va aller chercher le numéro 1. Le numéro 1, c'est l'île de Sweet Butterfly. Est-ce que tu es là? Tu étais là tout à l'heure. Est-ce que tu es toujours là? Une île violette féerique. Hein. N'hésitez pas à lever la cam, à utiliser les vignes. Il y a pas mal de points de vue. Hein. Elle est là. Papillon. Pourquoi tu dis papillon? C'est l'île des papillons. Oh, ça a l'air beau. Ça a l'air sympa, cette île-là. Allez, c'est parti. Papillon. J'avais un enfant quand je travaillais en crèche qui disait ça comme ça, le papillon. Moi, j'étais là en mode papillon. Papillon. C'est un peu comme ma fille avec le renard qui est un connard, quoi, finalement. Le problème, c'est qu'avec ma fille, il y a beaucoup de choses qui veulent dire connard. Je pense qu'elle a un traumatisme, elle a vécu un truc, je sais pas. Coucou Irem, hein. Et coucou Célia, comment allez-vous? C'est le renard, c'est un connard. Le canard, c'est un connard aussi. Y a pas de souci, hein. Coucou Phileas. Il y a beaucoup de connards quand même, selon ma fille. Hein. 94. Mon neveu a dit le tapin de Pâques. Hein. Le tapin. Les enfants. Après bon, je vous ai jamais raconté aussi l'histoire de ma fille. Coucou Amnax. Je vous ai jamais raconté l'histoire de ma fille qui appelait la flûte la pute, quoi, finalement. Donc on va prendre la pute. Allez. Voilà, c'est bon, c'est... On va aller prendre la flûte. Ouais, c'est ça, ouais. Maman, j'ai la pute. Ok, chérie. Décidément. Voilà. C'est les enfants. Non, mais c'est ça qui est beau, tu vois. C'est que tu redécouvres un vocabulaire avec eux qui est unique et exceptionnel. Hein. Mais bon, toi, tu sais, quand tu entends les mots, t'es là en mode... Mon dieu, courage quand elle sera ado. Attendez, je ferme la porte. Que de si beaux mots. Ah là là. On a encore des cours de flûte au collège. Bah, elle saura le dire d'ici là. C'est parce qu'elle était petite, c'est normal. Quand ils sont petits, bon... C'est le jeu, ma pauvre Lulu, hein. C'est le jeu. Quand ils sont petits, il y a des mots qui rapent un peu, quoi. Oh lolo, ça m'a l'air bien joli tout ça. Des habitants, ma foi, dans le thème. Hein. Un remodil hein, qui a été très achevé d'un côté et non, très achevé de l'autre aussi, en fait, tu me diras. Il glisse quoi. Signe astrologique chinois, mon petit en maternelle. Hein. Je suis. Oh non, j'ai pleuré de rire. Mais ils y sont pour rien, tu vois. À l'école, j'ai eu le droit à tout pelle hein, pour la poubelle et coup trop pour le matreau. Pour le marteau. Oh là, pour le matreau. Vous voyez comme quoi ça n'a pas d'âge, hein. Merci Anna Dupin. Enfin, coucou à toi. Vous voyez comme quoi ça n'a pas d'âge hein, de glisser sur les mots, finalement. Hein. Ça arrive même au plus grand. Hein. le matreau, le gâteau, le... Le simbateux, ce n'est... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Elle est toute jolie, ton île. Du coup, on rappelle, c'est un thème féerique violet. C'est tout ce que j'ai à dire, finalement. Un thème féerique violet.
Je sais pas du tout par où commencer ma visite parce que du coup il y a beaucoup de passages, beaucoup de petits coins, beaucoup de... Voilà. Étonnant comme thème. De la part de Butterfly? Je suis pas sûre. En vrai. C'est absolument pas. C'était en commun avec Kylie Papillon. Kylie, je sais qu'elle a mis son île. C'est le chiffre 2. Butterfly et Kylie, c'est les premières qui ont mis leur île en même temps. Et Kylie, c'était le chiffre 2, notamment en l'occurrence. C'est une île automnale que Kylie nous a. Maple Leaf, qu'elle nous a. D'ailleurs, je pense que dans tous les cas, même si elle n'est pas tirée au sort, je pense que je la ferai aujourd'hui parce que les photos me donnent très envie et j'ai grave envie de la visiter. Crier pute au but. Oh oui, alors ça, elle me l'a jamais fait parce qu'on n'est pas du tout foot à la maison. Mais j'imagine bien. J'imagine, j'imagine. Elles se sont dit go pour envoyer. Bah de base, j'avais que elles deux qui avaient participé. J'étais en mode bon, bah. La commune ne m'aime pas. Ils veulent pas que je visite le ride. Coucou gaffeuse! Et en fait, non, c'est juste que bah, ils avaient pas. Voilà. Oh, comment elle est trop belle! Hein, elle est trop trop belle! Dire qu'on fait un thème en commun en ce moment, tous les trois, vous faites quoi comme thème en commun? Il est trop trop beau ton perso. Enfin, j'imagine que c'est ton perso, je sais pas en fait. Comment est-ce que je peux sauter à ta maison? Secret, tu sauras pas. Pour le thème en commun, pourquoi tu fais trop de mystères comme ça? C'est qu'un thème Animal Crossing, hein, c'est pas un secret d'État. Hein. Calmez-le, votre ami John, hein. Franchement, ton île, elle est trop mimi. Les petits coins et tout, ils sont super bien réalisés. Ils ont plein de détails et tout. J'aime beaucoup l'île. Ah. Alors, la maison est très recherchée. Elle est très maisonneuse, hein. Belle maison, ouais, belle maison. Très belle maison, Butterfly, hein. On sent que tu as beaucoup fait pas mal de recherches pour la déco, que... Tu as... Non, vraiment, c'est pas mal. Un talent de fou. Ah ouais, vraiment, Valérie Damido en est éblouie, quoi. Ensuite, où est-ce qu'on doit passer? Bah, par ici, je pense, hein. Il y a plein de petits coins comme ça, avec des petits détails de tapis en dentelle en dessous qui sont tout mimi. Ok, là, c'est la liane pour redescendre, hein. Mais nous, on va aller au bout du chemin. Pardon. Excusez-moi. Ici, on avait un petit, comment ça s'appelle? Waouh! On avait un petit bâtiment. C'est trop mimi. Tu sais ce qui aurait été incroyable pour ton île, Butterfly? Ah, mais tu peux pas. J'allais dire ça aurait été les aurores boréales, mais du coup, ton île aurait été dans la neige. Ça, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas avoir les aurores boréales sans être dans la neige. Oh non, terrible Manon, quelle horreur ça par contre. Hein. Oh, c'est là que tu sais les préjugés des familles à la maison, tu vois. Qu'est-ce que t'as toi à chanter là-bas? Et si maintenant je retournais... Plutôt de ce côté-là. Ah bah non, on peut pas. Mais comment je fais pour aller de l'autre côté? Peut-être en passant par l'arrière de l'île. Attends. Parce que là, du coup. Ok, je pense qu'en fait, en réalité, il y a quand même un chemin, il y a quand même une trame. Hein. On va faire le tour. C'est-à-dire que le tour, il était par là. Voilà. Par contre, il faut arrêter de faire des îles labyrinthes là. Toutes les îles que je visite, c'est quoi le but? Le but, c'est que je reste bloquée dans l'île pendant 15 jours, hein? C'est quoi? Je te jure, Dimitri, les préjugés, c'est un truc de fou. Je crois qu'en fait, vous voulez me laisser bloquer pendant je ne sais combien de temps, là. On m'a appelé Aurore Boréale. J'aime trop les îles avec les aurores boréales, mais j'en ai jamais vu. En même temps, c'est tellement rare. Je crois que j'en ai vu une fois dans... J'en ai vu qu'une seule fois. Et j'ai l'impression que c'est pas si courant que ça de tomber sur les aurores. Hein.
Youni, 46e mois. Attendez, ça fait 4 ans au bout de combien de mois? Attends. On arrête tout. 24, 48, c'est dans 2 mois. Dommage Youni, dommage. On était à deux doigts de tous se mettre debout, de te faire une standing ovation là. Bientôt. Bientôt les 48 mois. Ok, là c'est de là où je viens. Non mais 4 ans, c'est énorme. Bah, je crois que mes premiers subs, c'était Youni et Flozer, si je dis pas de conneries. Je sais pas à... Où est-ce qu'il en est, Flozer, hein. Mais je crois que Flozer et Youni, ouais, c'est les deux qui doivent avoir à l'heure actuelle le plus grand nombre de mois. Je crois que je peux le savoir, hein. Ah bah non. What the fuck? Vous savez qui a été mon premier sub, hein? C'est Isapedia. Je sais pas si elle est là aujourd'hui. C'est Isapedia. Ensuite, c'est Isa64, hein. Qui c'est qui en a le plus? Ça, par contre, je peux pas le savoir. Parce que je pense qu'il y en a certains qui ont arrêté en cours de route. Donc c'est Isapedia, c'est Isa64, hein. Ensuite, hein, on va avoir, hein, Araël. Ensuite, c'est Flozer. Ensuite, c'est Bellani. Et ensuite, c'est Youni. Mais après, je sais pas du tout qui est-ce qui a jamais quitté son sub, tu vois. Genre, qui est-ce qui ne l'a jamais quitté? Outré le podium, c'est pas du Foulisa. Non, malheureusement, il y a des... Il y a d'autres noms qui sont venus se mettre au milieu. Par contre, il y a plein de badges first que je pourrais réattribuer. Attendez, je vais le faire en 30 secondes, là. Genre, toi, ça fait une éternité qu'on ne t'a jamais vu. Hop. Anna, tu viens d'avoir un badge first. Ah. Anna qui vient d'obtenir un first. Hein. Y a Happy Litchi qui est pas loin dans le classement, mais en ce moment elle est pas sub, mais je sais qu'elle passe de temps en temps. Du coup, je vais pas lui enlever le first. Hein. Toi, par contre, ça fait une éternité qu'on t'a pas vu. Ok, je pense que voilà, j'en avais que deux à réattribuer. Ça commence quand sur Twitch? Bah, il y a 4 ans. Visiblement, je sais pas. En fait, au début, je... Mais ça va pas. Je sais pas, elle a balancé un truc par terre, hein. En fait, au début, j'ai commencé... Enfin, je liveais une fois de temps en temps comme ça parce que YouTube buguait. Et en fait, c'est là que Flozer et Youni se sont mis à sub, hein. Parce que je liveais, tu vois, une fois de temps en temps ici. Coucou Cupcake, y a pas de soucis pour le retard. Je l'étais aussi. Et c'est là qu'ils avaient lancé. Et en fait, on n'est jamais reparti sur YouTube. On n'est jamais reparti dans l'autre sens, hein. Hop, hein. Pourquoi j'ai un nounours à côté de mon nom? C'est pas un nounours, c'est un rat. Regardez comment c'est trop mimi ici. Star, qu'est-ce que tu veux encore? À chaque fois que tu viens ici, c'est pour nous importuner. Ils veulent pas les sons du coup, c'est ça? Est-ce que vous riez? Est-ce que ça vous fait rire? Est-ce que vous riez?
Est-ce que ça vous fait rire que Nexus fasse le pantin là? Je sais pas ce qu'il nous fait là à côté. Désolé, on dirait du un nounours. Je l'ai fait déjeuner, je l'ai fait manger dans la demi-heure. Mais non, putain. Ah, c'est pas ça. On rattrape le temps perdu. Mais non, on va acheter des sandwichs. Regarde, là, j'aurais mis le tais-toi film. J'aurais mis le film Le Roi Lion en x2. Comme ça, on a l'impression que ça va durer plus longtemps. Ça va durer moins longtemps. T'as vu, elle est belle, Lila. Hein. Il comprend pas le principe de faire une belle île. Ça ne lui... Voilà. Les rats, c'est les sebs. Les pizzas, c'est les bits. Voilà. Nexus ne comprend pas l'intérêt de faire une belle île. Non, c'est... Heureusement que tu travailles sur Animal Crossing. Donc j'ai beaucoup de jeux, ouais, Nexus n'aime pas mes lives Animal Crossing. Il regarde tout sauf Animal Crossing. À chaque fois, il me le dit, c'est bon, on a compris. Aigri, là. Du coup, j'ai dit qu'on fera pique-nique. Hein. Ça sera très bien, pique-nique. En plus, avec un peu de chance, là où on va... Ah, mais c'était un habitant. Là où on va, il y aura peut-être des frites ou un truc comme ça. Vous savez, les baraques à frites, là, dans les fêtes foraines. Donc, à tout moment, il y aura ça. Où est-ce qu'il faut que je passe ensuite? Ah, là, il y a un chemin au milieu. Oh. Elle est pas belle, la tasse? Si, elle est très, très belle, la tasse. J'avais que ça aujourd'hui. Oui, je sais, vous avez tous... Oui, je visite même les îles pas finies. C'est juste que ça se passe par le Discord, moi. Je sais que vous avez tous reçu votre magnifique tasse de la nouvelle collection, Fluffy, machin, bidule, etc., etc. Moi, je ne l'ai pas. Ne me narguez pas, ok? Fais attention à être aigri. Les enfants ont peut-être hérité de leur papa. Dans tous les cas. Non, franchement, c'est beau, ça, ici. Enfin, d'un côté, je t'avoue que vu la gueule des enfants, je pense qu'elles ont hérité du papa. Hein. Dans tous les cas, je pense que c'est indéniable. Hein. Ouais. Dans tous les cas, je pense que je n'ai servi à pas grand-chose dans cette incubation. Bon appétit, Gwen. Hein. Oublie pas la fin de retourner en bas à droite de la mairie. Il y a un bâtiment à voir. Pas de soucis, madame. Je peux pas du tout y accéder par ici. Tu n'as été qu'un habitat. Oui. Coucou, Chica. Ok, là. Non, franchement, quand on voit la tronche des deux enfants, c'est vrai qu'elle lui ressemble à 100%. Merci à Camirti pour ton follow. Bienvenue. Non, t'as pas loupé énormément. On a visité une île sur le thème Storybrooke et Féerique Violette. Comment vas-tu, Camirti? Vous pouvez arrêter de passer dans mon... C'est ma chambre. C'est mon bureau. Je paye le CFE sur cet habitat. Attends, je crois que ça, c'est le bâtiment dont on parle. Je paye. C'est ça, là. C'est 2 mètres carrés, là. Ça te coûte 50 euros. Je paye une taxe sur ma propre maison, ok? Pour pouvoir streamer ici. Donc c'est chez moi. Laissez-moi tranquille. Oh là là. Attendez. On retourne par en bas. Je vais bien et tout. Et vous, tout le monde, comment ça va? Tout le monde va bien, je pense. Mets un verrou. Oh ouais. Venez dans la future maison, on met un verrou. Comme ça, ils ne pourront plus rentrer m'embêter pendant que je suis en stream. Hein. Ça avance la maison, en fait. Bah, on a signé. Il faut qu'on attende, tu sais, les 2 mois légales. Hein, pour continuer la signature. Enfin, l'autre signature. Et puis, voilà. Il y a 2 mois légales obligatoires à attendre. Hein, parce que c'est le temps dans lequel la mairie peut dire « Non, la maison, elle est à nous. » Bon, ça n'arrive jamais. Ouais, c'est le temps de rétractation de la mairie. Je sais plus quoi. Enfin, bref. Donc là, on attend. On attend, on attend. Et c'est aussi les 2 mois où tu dois trouver et chercher un crédit qu'on a déjà trouvé parce qu'on avait déjà anticipé.
fait les recherches. Hein. Mais en fait, on va attendre le dernier moment. On va attendre le dernier moment parce que les taux de crédit sont actuellement en train de baisser. Si jamais vous êtes pas au courant, si jamais il y a des gens qui sont en procédure pour acheter ou pour je ne sais quoi. Les taux de crédit sont actuellement en... Ils sont actuellement en train de baisser en fait. Ils ont beaucoup baissé, ils sont passés de 4,20 à 3,80. Donc ça fait quand même une baisse assez énorme. Et on a en chaque début de mois, les taux de crédit baissent. Donc on va attendre vraiment le fin mai pour espérer avoir encore une baisse hein, et avoir encore quelque chose de plus bas. Oui, c'est moi qui faisais des vidéos sur, à l'époque sur ACNL. Hein. On a bon espoir de réussir à trouver un truc aux alentours de 3,6 ou 3,5, un truc du style. Hein. Coucou tout le monde, c'est Fluffy. Je suis choquée que tu payes un CFA en tant qu'entrepreneur si. T'as le droit de casser des couilles ou pas? C'est déjà ce que tu fais. t'as un peu abusé là sur le... Que j'ai un peu abusé hein? De quoi j'ai un peu abusé? De quoi? J'adore! C'est magnifique! Demain, je vais faire un essai pour essayer une photo. Demain matin, je stream. Et l'après-midi, on va faire l'anniversaire chez tes parents. Donc, qu'est-ce que tu nous fais? Mais quel essai pour faire une... pour essayer une moto? On n'essaye rien du tout, là. On achète une maison. Essai. Mais non! Mais dans tous les cas, c'est inutile! C'est toi qui est utile, wesh, pas tout perdre une voiture, après tu poses, hein. Toujours ce permis. Tu l'auras pas. La femme qui a mis plus de temps à l'avoir. 7 ans, putain. Bon, va-t'en. Tu me saoules. 7 ans. Mais je m'en fous. Mais oui, mais le problème, c'est qu'on a pas eu notre petit débat du matin, tranquille, tu vois. Du coup, malheureusement, c'est... C'est beau, ça. C'est beau. Mais c'est mon jus de fruits, putain, mais dégage! Oh! Comment c'est beau! T'es là, tu nous empoisonnes, hein? Je vous empoisonne carrément! Mais oui! Coucou la Loli, comment vas-tu? La déco plairait bien à Dreamy, je confirme. C'était magnifique. Je n'ai rien d'autre à redire. Lui n'est peut-être pas content, mais moi je trouve ça magnifique. Un Théo contre Nexus. Je pense que Nexus mérite un ban tempo, minimum. Ah mais comment tu veux me ban tempo de la maison? Que j'ai intérêt, je te pousse dehors. Mon PC pas allumé. Hein. Ban tempo. Va-t'en. On va te bannir temporairement ici. Elle t'enferme sans les clés. Je l'enferme dehors. C'était magnifique. Félicitations, Butterfly. Dis, Siri. Dis un nombre entre 1 et 16. Un nombre aléatoire entre 1 et 16 font 5. Attends, t'as dit trop d'infos, là. Attends. Est-ce que vous avez des conseils pour avoir les 3 étoiles dans Animal Crossing? Car j'ai 2 rampes, des fleurs. Est-ce que tu as combien d'habitants? 1... 2, 3, 4, 5. C'est l'île de... Alors. Mon thème est Halloween. Hein. J'ai pas le nom en entier, ça commence par un A. Peut-être Agathe. Mon thème est Halloween. J'ai installé une ville américaine à l'ancienne style Frontier Island à Disneyland. Une maison hantée, un cirque de l'horreur. Hein. Est-ce que quelqu'un s'est reconnu dans cette description? Coucou Margot, comment vas-tu? Et merci beaucoup Avril pour le follow, bienvenue. Est-ce que quelqu'un s'est reconnu au sein de cette description? J'ai entendu cirque, je fuis. Coucou Kylie! On parlait de toi tout à l'heure. Hein. C'est Erline. Hein. Erline hein. Si elle n'est pas là, on fera une autre maison, une autre visite. Je vais pas visiter son île alors qu'elle n'est pas là. Parce que du coup, elle peut pas donner son avis, etc. Donc, je préfère visiter quand la personne est là quand même. C'est quand même... Oula, hein. Du coup, Erline! Erline est appelée à l'accueil! Erline est appelée à l'accueil! 8 habitants! Ah non, tu es bon, Enali! Est-ce que tu as posé pas mal d'objets par terre? Hein,
Tu n'as pas vu mon coucou, comment vas-tu, Miss Framboisette? Erline est appelée à l'accueil. Erline est appelée à l'accueil. Oui, c'est moi, Erline. Ah bah voilà! Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh bah, c'est ton île qu'on visite. Hop. 03 37 07 24. Les lives colo TikTok, c'est devenu ma passion. C'est vrai qu'il y en a pas mal sur TikTok. J'hésite à me faire un TikTok spécial colo. Parce que le problème en fait de TikTok, c'est que vu que je fais trop de choses différentes, en fait à la fois je propose du gaming, à la fois je propose mon côté maman et à la fois je propose du coloriage. Et en fait l'algorithme n'arrive plus à gérer parce que c'est pas les mêmes centres d'intérêt entre les personnes qui te follow. Enfin bref, voilà quoi. Et du coup l'algorithme n'arrive pas à te mettre en avant parce que tu fais trop de trucs différents en fait. Nejime, merci beaucoup pour le Prime. Merci, merci. Donc je me tâte à refaire un TikTok exprès pour le colo. Mais après, est-ce que je suis assez investie dans le coloriage pour faire un TikTok vraiment centré sur le colo? Je sais pas. Je sais pas. Mais actuellement, en fait, mon algorithme est trop paumé parce que je fais trop de choses différentes. Mais c'est bien de faire des choses différentes aussi. Mais l'algorithme, il veut pas. Ah, du coup, on est sur un thème Halloween. Qui n'est pas du tout la tendance actuelle. Mais oh la putain. Non, franchement, tu arrives sur l'île, t'es accueilli par lui, quoi. Tu sens déjà que t'es dans la ville de l'horreur. Tu sens que déjà ça, c'est trop. Au bordel, pied trop. Franchement, le Pietro, quoi, c'est terrible, hein. Bonjour, toi. Franchement, Pietro, c'est une angoisse, hein. Pas mal de petites décos d'Halloween, là. Ici, on a la petite écurie. Avec, je crois que c'était le magasin qu'on avait juste devant. Il y a un cirque en haut à gauche. Alors, bah, Pietro oblige. Hein. Un cirque. Attends, mais moi, je veux voir ça. Hein. Et oh. Oh, bonjour, toi. Est-ce que les maisons, elles sont faites ou pas du tout? Ça manque un peu de sang, quand même. Hein. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'imagine une île Halloween... Je l'imagine toujours, tu sais, avec du sang et tout, alors qu'en soi, bon, est-ce que réellement t'es besoin, enfin, t'as besoin d'avoir du sang dans une île Halloween? Je ne pense pas. Pas toutes les maisons. Essaye de faire comprendre à ta fille. Coucou que... le Séphir. Essaye de faire comprendre à ta fille que c'est à la fois gentil et méchant. Peut-être méchant, ni. Tu as dit Kovu est gentil, méchant. Mais j'essaie de lui expliquer que non. Il est né gentil, mais c'est maman qui veut qu'il soit méchant. Aide-moi. On fait quoi comme gâteau aujourd'hui? On fait aucun gâteau de rien du tout, Lucéphir. T'as juste... Mais tu lui dis que... Tu balais ça sous le tapis. Mais je sais pas, comment tu veux qu'on lui explique ça? Oh, c'est beau ça. Comment tu veux qu'on lui explique ça? Elle est tellement petite. Hein. Justement, c'est ce que je te demande. Je... Bah, Kovu, il est gentil, mais sa maman, elle veut qu'il soit méchant. Et comment tu peux lui... Je sais pas, moi. La maison qui représente le cirque, elle est finie. Ok, merci, madame. Hein. Franchement, j'en sais rien. Comment tu veux expliquer à un enfant que à la fois le perso est gentil et à la fois il est méchant? C'est trop compliqué pour eux à cet âge-là, je sais pas. Enfin, j'estime ça... j'estime ça super compliqué à expliquer. C'est chaud quand même, hein. Il est... La bipolarité. Ouais, mais non, mais c'est chaud.
Je suis pareil que pour toi, pour les maisons, j'ai plein de persos, j'ai du mal à me motiver à les finir. Les maisons, personnellement, moi, je les meuble pas, genre, ça me... Tu vois ce que je veux dire? Genre, flemme, quoi. Personnellement, en fait, j'arrive pas à meubler les maisons comme ce que je veux. Donc, du coup, bah, par défaut, je ne meuble pas, en fait. Hein. Il fait des colères et devient méchant. Bah non, même pas, il devient pas méchant. Justement, je pense que c'est important de savoir que les gens ne sont pas 100% gentils ou méchants. Oh. C'est compliqué, faudra qu'on lui explique. On réfléchira à cette option plus tard. C'est trop compliqué. Oh, le petit masque de fête là, incroyable. Hop, on va monter par ici. Tu m'as dit que le cirque, il était. Oh, ça je reconnais, ça c'est Frontierland. Tu m'as dit que le cirque, il était où? En haut à gauche. Ça, ce serait pas la maison, hein, tu sais. L'amour l'a rendu gentil. Non, Kovu, en soi, quand tu regardes bien le Disney, je trouve... Coucou, Cyrielle. Je trouve que Kovu, en soi, il a toujours été gentil. C'est drôlement bien réalisé, ça. Kovu, en soi, il a toujours été gentil. C'est juste qu'il a été entouré de personnes... qui voulait qu'il soit méchant, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'en ai comme... reste du Disney, c'est ça. Coucou Yaiko, comment vas-tu? Juste, il a été... ouais, juste sa mère voulait qu'il ressemble à Scar et toutes les personnes autour étaient aussi dans cette optique. Franchement, le cercle qui s'actionne là, c'est trop mimi. Enfin, mimi, non. Mais j'aime beaucoup ce sol. Hein. Juste sa mère qui va en faire un Scar 2. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. Comment vas-tu, Yaiko? Oh, par contre, j'adore. Oh, putain. Par contre, le truc que t'as fait avec les fenêtres là, c'est juste mais incroyable. L'astuce déco des fenêtres en fond sur le cimetière et... J'adore, c'est trop beau. Enfin, c'est trop beau, oui et non, parce que d'un côté, c'est un cimetière, mais franchement, j'adore l'astuce. J'ai chopé sur Pinterest et j'adore les utiliser. Ouais, c'est sa mère qui est cinglée. Comment elle s'appelle déjà, la mère de Kovu? Oh. Une ambiance ici, t'as peur quand même. Hein. Comment elle s'appelle? Zira? Ouais, c'est ça, Zira, un truc comme ça. Hein. Grosse folle. Grosse. Espèce de malade. Coucou Shigaema, comment vas-tu? Et ici, c'est la salle du bal. Toujours avec les petites photos de Jaco là qui te font un peu perdre ton sang-froid, là, qui font un peu froid dans le dos finalement. On va le laisser là où il est, finalement. Hein. C'est elle, l'antagoniste, c'est Zira. Je me souvenais plus qu'elle s'appelait Zira. Heureusement que vous êtes là. D'ailleurs, j'ai jamais su. Est-ce que Zira... Je me souviens pas, parce que dans le Disney, il me semble qu'ils te mettent un espèce... Non, Kovu, c'est le fils adoptif de Scar. C'est pas réellement sa descendance, on est d'accord, hein. Il me semble, hein. Petit cimetière. Hein. Toi. Voilà, voilà, quoi. Attendez, on va aller dans la maison. C'est Kovu, ouais, Kovu, c'est juste le fils adoptif. Si, c'est son fils. Oui, mais adoptif. Pas réellement, je sais pas. Ça me fait penser à la collection... comment elle s'appelle déjà? Ça me fait penser à la collection Princesse. Dans ACNL. Hein. Hop. Il n'y avait pas une giga polémique sur ça? Non. Désolée, ici, c'est encore Noël, pas Halloween. J'avoue. Après, bon, tu sais, Noël, Halloween, en soi, parfois, on peut se dire que c'est pas forcément hyper éloigné. Hein, quand on y pose bien, hein. Collection princesse de l'horreur, un peu, ouais, un peu, hein. Je suis assez d'accord, hein.
On va retourner sur la route principale. Ici, on a le cimetière. Un magnifique cimetière. J'aurais peut-être fait une église ou une espèce de cathédrale en plus. T'as beaucoup de maisons. Hein. Je vais peut-être pas toutes les visiter. Vous avez beaucoup de maisons hein, pour certains sur votre île. Hein. Vous arrivez à vous en sortir avec tout ça? T'en as une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Hein. C'est énorme. Hein. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est énorme d'avoir autant de maisons. Oh, je suis rentrée dans quelque chose. Ou dans quelqu'un. Ah, j'observe qu'il manque le petit corps. Il manque le petit mannequin corps juste à côté, là. On est un peu déçus, hein. Oh, le bruit. Je m'en sors sur certaines qui ne bougent jamais, mais sinon les autres, j'ai du mal à les finir. Bah, 8 maisons à faire, ça fait quand même beaucoup, hein. Déjà que j'arrive pas à en finir une, hein. Et alors 8. Comment te dire que j'aurais abandonné sec, hein. On va retourner sur la route. Classiquement, j'étais déterminée à refaire un village sur ACLH, mais en voyant tout ce que certains font d'extraordinaire, ça me démoralise. Non, faut pas penser ça en réalité. Hein. Oh, le cirque, attends. Ça, c'est peut-être la maison qu'il faut visiter, justement. Non, en vrai, il faut pas... il faut pas penser ça en vrai de vrai. Je pense que chaque île a son charme et en fonction du thème et tout que tu vas faire, faut pas se comparer aux autres, je pense. Hein. Regardez-moi ce cirque. Il est super bien réalisé, là. Perso, moi, c'est le remodil. J'ai jamais réussi. Je décore, mais c'est à plat. Le remodil, par contre, moi, c'est l'une des choses que j'ai toujours adoré faire dans le jeu. Oh, qu'on lui coupe la tête! Et vu comme ça, on aurait dit des espèces de gouttelettes de sang ou des morceaux de corps ou j'en sais rien. Enfin bref, c'est quoi ça? C'est deux mecs qui ont coupé leur tête et qui... Ok. Non mais c'est bien. Hein. C'est deg. Bonne ambiance. On apprécie le cirque, hein. C'est Halloween. Ah. Quelle horreur. Ok, ici j'imagine que c'est peut-être une salle de spectacle, quelque chose comme ça. Par contre, ouais, c'était vachement bien fait, mais alors mon dieu, quelle horreur. Moi aussi, le remodel, ça me bloque, j'arrive pas à faire des trucs bien. Ah ouais? Après, ça dépend, vous êtes pas obligé de faire une île avec un remodel de fou pour que ce soit incroyable en vrai. Hein. L'ambiance est chaleureuse. Ah bah, toujours, hein. Petit hôpital psychiatrique, là. Avec des petites expériences et tout, là. J'avais vu un reportage sur... Putain, c'était une dinguerie. Bon, vu qu'on est dans le thème, autant y rester. Hein. J'avais vu un reportage, vous savez, sur ce qui se passait dans les hôpitaux psychiatriques. Sur ce qui se passait dans les vieux hôpitaux psychiatriques qui dataient de l'an 1800, 1900, des années 1900. Enfin bref, t'as compris, quoi. Et les horreurs qu'on pouvait faire aux gens en espérant que ça les ramène à la réalité, tu vois. Alors que bah, ce qui se passe malheureusement pour eux, c'était dans leur tête. Et en soi, t'avais beau faire des expériences possibles et inimaginables sur eux, ça ne changeait rien, tu vois. Mais franchement, le documentaire, mais il m'avait traumatisé, quoi. Ils avaient sorti des trucs... Mais des expériences qui étaient faites sur des gens, mais tu te demandes, mais comment c'est possible? Enfin, Pourquoi, tu vois? Les hôpitaux psychiatriques, honnêtement, c'est les endroits qui me font le plus flipper. Bah, après, aujourd'hui, je pense qu'on est quand même différents. Heureusement, Dieu soit loué. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce reportage m'avait fait froid dans le dos. C'était genre des trucs, mais tu te demandes en fait... Ah, c'est quoi ça là-bas? Tu te demandes en fait comment c'est possible. Attendez, mais j'ai vu un truc qu'on a loupé. Oh, ça c'est la gare 9 3/4, ça je connais ça. Ça c'est la gare 9 3/4. À
Attendez, je retourne de l'autre côté. Je peux te dire qu'à certains endroits, même maintenant, c'est parfois pire. Ah. Allez-vous-en. Je pense que tu as visité l'essentiel de la partie Halloween, le reste de l'île. Tu l'avais déjà visité une autre fois. Là, tu pars pour Poudlard. Ah, c'est ambiance Poudlard Halloween, en fait. Attends, je voulais... Puis alors la musique de Satan là. Regarde. Ah, c'est terrible. Eh bien merci pour cette petite visite. Les deux vont bien ensemble. C'est ça. Je touche jamais trop à la... Je touche jamais trop la partie Poudlard et la partie pirate. Hein. En fait, t'as plusieurs thèmes dans ton île et après tu... Tu fais un petit peu en fonction de tout ça. N'hésitez pas, il y a pas mal de promos. Attendez, Clemnook qui nous dit qu'il y a pas mal de promos pour ACNH. Le jeu uniquement à 39€ au lieu de 59. Hein. Et le jeu plus le DLC à 57 au lieu de 84. Hein. Apparemment, il y a des promos pour ACNH dans l'eShop. Hein. Alors, attendez. Allez, Alexa, non. Dis Siri, dis-moi un nombre entre 1 et 17. Un nombre aléatoire entre 1 et 17 font 6. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est Mayubu, est-ce qu'elle est là? Je ne l'ai pas vue ce matin, je crois. Je crois que je ne l'ai pas vue ce matin. Donc peut-être qu'elle est pas là, en fait. Exemple, infirmier, médecin, on ne doit rien avoir sur nous, comme des colliers, bagues, montres, car on peut se faire agresser. Mais attention, tous les malades en HP ne sont pas violents. Bah oui, c'est en fonction de pas mal de points, bien sûr. Hein. J'imagine bien, Manon. J'imagine bien. C'est en fonction de pas mal de points. Je crois que Mayubu, elle est pas là ce matin. En général, le samedi matin, elle est pas là. Elle a des trucs à faire. Hein. Dis Siri, donne-moi un nombre entre 1 et 17. Hein. Un nombre aléatoire entre 1 et 17 font 11. Généralement, elle est pas là le samedi matin. Il me semble qu'elle a des... de l'équitation ou je sais plus, un truc comme ça, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 1. C'est l'île de Gaspard. Hein. Est-ce que tu es là avec un village provençal ferme, 100% terminé? Est-ce que tu es là? Imagine les dingueries. Imaginez les dingueries s'ils mettent ACNL sur la Switch. Après, un portage, ce serait pas impossible, hein, quand on y pense bien. Hein. Un portage, ce serait pas impossible, hein. Je sais pas si du tout, du coup, si Gaspard est là. Gaspard, est-ce que tu es présent avec ton île provençale ou pas du tout? Sinon, je vais faire quelqu'un d'autre. Hein. En soi, en ce moment, Nintendo a l'air d'être assez friand de tout ce qui est portage. Après, je me dis, est-ce qu'ils ont déjà porté des jeux 3DS sur 3DS sur, comment ça s'appelle? Sur Switch, hein. Ça me paraît un peu prématuré. Mais faut que ce soit beau comme ils ont fait pour Miitopia, sinon no way. C'est vrai que Miitopia, il l'avait un petit peu retouché. Il n'y a aucun portage DS ou 3DS. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Miitopia en portage. Après, est-ce que ACNL est encore autant joué que ça? Ou alors autant aimé, je sais pas, pour mériter un portage, hein. Autant, tu vois, les licences telles que Zelda et tout, c'est quand même des licences qui sont assez qui sont assez jouées, quoi. Du coup, Gaspard n'étant pas là, je vais prendre l'île qui est juste après. Est-ce que Chloé est là? Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, oui, aussi, en effet, Onei. Hein. Est-ce que Chloé de Garden est là? Je vais avancer dans l'ordre des îles qui sont à côté de celle de Gaspard pour... tenter de trouver quelqu'un qui est présent parmi nous ce matin. Chloé, c'est possible qu'elle soit pas là aussi, vu qu'elle a deux enfants. Le samedi matin. Je crois que c'est pas trop son truc en règle générale. Hein.
Chloé, 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 elle est pas là. Et ben du coup, ça va être Roman, hein. Romanouk, toi par contre, je sais que tu es là. Tu as participé avec Froggy, ton île thème urbain coloré. C'est la première île que je finalise dans les détails. Il s'agit d'une île qui possède un port, son marché de poissons. Elle prévoit tout ce qu'il faut pour satisfaire les touristes qui s'y rendront. Trois Power Rangers assurent la sécurité de l'île. Quoi? 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 Comment ça, trois Power Rangers assurent la sécurité de l'île? On demande des détails, on demande des comptes, on demande des informations. Bah tu vas voir, hein. Je sais pas de quand est-ce que date mon rêve. De quoi, Yaiko? Ton code que t'avais mis en ligne dans le serveur Discord, hein? Bah, globalement, vous avez mis tous vos rêves la semaine dernière. Après, peut-être que tu l'as pas remis à jour au moment où tu as partagé ton code, hein? C'est une très très bonne question. Utiliser un code, hein? Denis. 65, 89, 38, 72, 87, 35. Voilà. Coucou Générise, comment vas-tu? On peut encore mettre notre île ou tu as bientôt fini? Bah, dans tous les cas, tu peux la mettre et moi je la visiterai peut-être pas aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, il faut vraiment que je parte pas trop tard parce qu'on avait promis à Lana qu'on allait à Machin Kids, truc bidule là. Pour son anniversaire, hein. Mais dans tous les cas, putain, j'ai jamais branché TikTok. Venez, on allume TikTok comme si de rien n'était. Oups. Mais dans tous les cas, ouais, tu peux le mettre. Et puis après, nous, on visitera dès qu'on aura un creux, hein. On visitera peut-être pas aujourd'hui, mais on visitera peut-être une prochaine fois, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, Miaou? Que veux-tu? Oui, tu es belle. Oh oui, tu es miaou, toi. Qu'est-ce que tu nous veux? Mon oui, tu es petit cœur. Ah bah vas-y. Tu leur fais un coucou? Je suis accro aux colos, j'en ai déjà fait quatre et je fais mon cinquième. T'as commencé quand les colos? Généris, hein? T'as pris quoi comme tome et comme bouquin? Enfin, t'as compris. Comme truc quoi en gros. Oh oui, tu es Mimi, tu es Minou. Un lurk, en gros, c'est quelqu'un qui va être présent sur le stream mais qui va pas forcément parler. Ou parfois t'as même des gens qui allument le stream juste pour soutenir mais qui sont pas là en fait. Hein. La toutouille, ben oui la toutouille. Que tu es Mimi toi. Coucou à tous ceux qui arrivent sur TikTok. J'ai pris les Bread Funner et le Tom Babies pour commencer. Le Tom Babies, il est vraiment pas mal parce qu'il demande pas beaucoup de coloris et il a pas mal de traits qui sont déjà réalisés. Enfin, il est vraiment cool pour débuter. Après, moi, personnellement, j'avoue que quand je l'ai feuilleté, tous les colos que j'ai trouvés à l'intérieur ne me plaisaient pas. J'étais pas hyper fan, on va dire. Donc, c'est pour ça que c'est un bouquin que j'ai pas pris, tu vois. Et il est pas mal pour débuter. On est un peu dans une île un peu kid-core, j'ai l'impression, mais pas kid-core genre coloré qui part partout, tu vois. Timler qui fait, ouais, c'est des gens qui regardent le stream et qui discutent pas, oh, qui discutent pas dans le chat ou mais qui sont là, tu vois. Ça, je pense jamais à faire ça dans mon île, à faire des parcs de jeux. Il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. Parce que c'est vrai que c'est pas mal de faire des petits parcs de jeux comme ça. Vous me donnez des idées, vous me donnez des idées, hein. C'est marrant parce que ton île, ça fait très maison. Un peu genre Amérique ou quoi. Avec toutes les maisons comme ça qui sont limitées par des blocs de béton. C'est Mimi tout plein. Hein. En fait, j'aime beaucoup le thème un peu kid-core que tu as. Enfin, alors, c'est pas kid-core, c'est quoi? C'est coloré. Que t'as essayé de faire parce qu'en fait en général les thèmes qui portent c'est des thèmes qui partent vraiment dans tous les sens.
t'as plein de déco qui part partout, t'as plein de couleurs qui partent partout, enfin, t'as plein de trucs comme ça, quoi. Et c'est des thèmes que j'aime pas forcément énormément, tu vois, parce que bah, ça part un peu dans tous les sens, tu vois. Tu devrais essayer de rentrer dans une maison d'habitants ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu me veux ? Tu es un peu embêtante, non ? Coucou Mona, comment vas-tu ? T'as fait les intérieurs en rapport avec l'habitant ? Oh, l'intérieur de Ninjette, il est incroyable, hein ! Genre là, si je pars manger, je me mets en lurk, je laisse le stream tourner. C'est ça, en fait, Manon. C'est un lurk. C'est exactement ça. C'est, ouais, c'est un lurk. Coucou Mayumi, comment vas-tu ? Bonjour, alors nos viewers ont-ils du talent ? Franchement, on a visité 3 îles, là, depuis ce matin. On est sur un niveau de déco qui est, ma foi, plutôt... comme la dernière fois, hein. Qui est, ma foi, plutôt élevé, hein. On est sur du bon niveau encore. Hein. Petite plage là. Coucou Clara, comment vas-tu? J'ai ma voix qui se barre. Pardon. C'est bon, la voix est revenue. J'avais la voix qui se barrait un peu là. Pas se barrer comme ça finalement. Oh, petit bâtiment là, regarde. Ah, il est beau le 7-Eleven. Avec les petites marchandises derrière, là. Pas mal. T'es en pleine révision pour le bac. Il y a déjà les bacs qui vont commencer à sonner, là. Coucou Alwina, comment vas-tu? Et coucou Lauriane. Merci Alwina, Alwina pour le follow. Bienvenue parmi nous. Il y a déjà les bacs qui vont commencer à sonner, là. Déjà. Je m'attendais pas à ce qu'on soit déjà dans la période... dans cette période là en fait, mais en fait tu me diras, on est déjà au mois d'avril, donc bah si, totalement en fait. Là, il faut arrêter de mettre ces objets de Satan dans vos îles par contre, c'est plus possible, hein. Moi je vous le dis, hein. Le chat vous fait pas un peu flipper là, à être là devant moi et à ne pas bouger? Ouais, y a Lana qui crie. Après, en soi, sincèrement... Oh, t'as même fait la ligne des caddies. En soi, franchement, le bac, c'est pas le plus chiant. On va parler en termes réels. On va parler avec des mots. On va poser les mots là où ils doivent être posés, Pour moi, je trouve que le plus stressant dans l'école, c'est pas le bac, mais c'est ce que va faire Parcoursup de ton avenir. Je trouve. À l'époque, moi, c'était post-bac, ça s'appelait. C'est tellement aléatoire, tellement incertain, en fait, que je trouve... En fait, t'auras beau avoir ton bac, t'auras beau avoir une super mention ou quoi que ce soit. Juste, hein, si le logiciel a décidé que tu ne ferais pas ça, et que, voilà, bah, juste ton avenir peut dépendre du logiciel, quoi. Je trouve que c'est plutôt ça qui est horrible, hein. Parcours sur les petits cons. Parcours sup le petit con, finalement. Exactement. Petite centre de surf, hein. Moi, c'était plutôt ça qui me stressait à l'époque. C'était de savoir, bah, qu'est-ce que le logiciel va décider que tu fasses de ta vie, quoi. Merci beaucoup, Faustine, pour le follow. Bienvenue. C'était plus ça. Très joli ici, avec des petits trucs d'arcade et tout là. J'aime bien. Zememi. Ouais, c'est réel, surtout que les résultats de Parcoursup sont le 30 mai, du coup bien avant le bac, pour bien stresser. Je sais plus quand est-ce que c'était à mon époque, hein. J'aime beaucoup, c'est très coloré. Il y a pas mal de tapis et tout, la déco est assez recherchée. Peut-être que c'est TikTok sur Aya ne se... Quoi ? Il a fait des TikTok sur Aya Nakamura. Quoi ? De quoi ? Quoi ? Quoi ? Je vous avoue que je suis pas du tout au courant là de ce que vous me dites.
Oh, ça brille. Petite salle de jeu et tout là. Oh, Mims. Avec le petit casque. Le petit casque, c'est un objet que je pense pas à mettre. Tiens. Je savais pas qu'il avait fait des TikTok sur Aya Nakamura. Le délire. Vous m'apprenez quelque chose là. Non, en vrai, franchement, le. De toute façon, moi personnellement, je. Je sais hein, que l'histoire, que ce soit un logiciel qui fasse un tri parmi les étudiants, c'est parce que sinon ce serait trop long de le faire à la main. Enfin bref, voilà. Mais d'un côté, j'ai envie de dire recruter des gens pour trier les étudiants de façon correcte. Parce que je trouve ça, après, voilà, on n'a pas forcément tous le même avis, vous avez le droit d'en avoir un autre. Hein. Mais moi, je trouve ça horrible que l'avenir de quelqu'un soit déterminé par un logiciel qui va faire du tri semi-aléatoirement avec des gens, en fait. Genre, on parle quand même de l'avenir de centaines de milliers d'étudiants qui placent en tes mains mais toute leur vie, littéralement. Et je trouve ça horrible que ce soit un logiciel fourni d'une intelligence artificielle qui va décider pour toi, en fait. Juste recruter des gens qui vont faire des sélections... des sélections qu'il faut, quoi. C'est tellement un réel stress de se faire trier comme ça sur la volée que bon... Coucou Léna, comment vas-tu ? Hop, hein. Et coucou Philippe, hein. Comment allez-vous? Il n'y a pas de souci pour le coucou rapide. Hein. C'est déjà bien gentil, Philippe. Hein. Tu peux partir en haut à droite. En haut à... Ah, j'ai été en haut à gauche. Let's go. Perso, en Belgique, on n'a pas ça. Peu importe les résultats, tu choisis tes études. Faudrait-il encore qu'il y ait de la place partout, tu vois. Après, j'imagine que c'est aussi une question de place. Peut-être qu'il y a des branches qui sont potentiellement plus demandées que d'autres. Hein. Mais c'est vrai que je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible la façon dont tu peux trier quand même des êtres humains sur leur avenir et décider pour eux, quoi. Je trouve les sélections pas très justes, on va dire. T'inquiète pas, j'irai voir après le stream. Oh, j'adore cette petite porcelle-là. Oh, la petite porcelle, elle est trop mimée. En fait, ce que je trouve terrible, c'est de trier des gens sur la volée pour leur avenir, alors que c'est tellement important un avenir, surtout encore plus aujourd'hui. Enfin, je trouve que avoir un métier qui te plaît pour le futur, hein, c'est hyper important, tu vois. Et de te dire que c'est une intelligence artificielle qui t'a trié sur le volet et que t'as peut-être pas le choix parce qu'on t'a mis là, bah, c'est triste. Triste. C'est le compte de Mathieu Maucourt. Ok. C'est vrai que le pays est plus petit. Ouais, donc il y a peut-être moins de problèmes d'école, je sais pas. Après, je sais pas. Est-ce qu'en France, on a vraiment des écoles qui sont... Enfin, des trucs... Enfin, des écoles, des métiers qui sont plus demandés que d'autres? Je pense que oui, quand même. Je pense que oui, hein. Je crois que les métiers du design sont beaucoup demandés, alors qu'en réalité, il y a très très peu de place. Oh, le porc, hein. Les infirmières, hein. Ifsi, c'est infirmière, non? Merci Laurie pour le follow, bienvenue. Ifsi, c'est infirmière, non? Ah, je pensais pas qu'il y avait autant de gens que ça qui voulaient être infirmières, hein, au vu des conditions actuelles du métier. Je pensais vraiment que c'était un des métiers qui était un peu délaissé, tu vois. Psycho, c'est très demandé aussi. Ah ouais? Après, psycho, ça englobe quoi comme débouché de métier? Parce que moi, le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est psychologue, mais je pense que c'est pas du tout le seul truc, hein. Psycho, c'est énormément demandé? Ah ouais! Psycho, c'est ouf le monde qui demande. Mais ça débouche sur quoi, psycho? Coucou Michel! Comment vas-tu? En Belgique, kiné, c'est full, hein. Kiné? Je suis dans le secteur du design et je peine à trouver un simple stage. Ah mais le secteur du design, il est full. Il est full de chez full, de chez full, de chez full. Hein. C'est... Voilà. Hein. Aucune idée, j'ai été refusée de Parcoursup. Oh non.
Butterfly. Ma pauvre. Ok, là-bas, je peux pas y aller. Infirmière, il faut survivre aux 3 années d'école quand même, hein. Et surtout les conditions des infirmières et des aides-soignantes aujourd'hui, c'est des conditions qui, je trouve, sont vraiment pas faciles. Bon, après, de toute façon, il y a beaucoup de métiers pour qui les conditions de travail se dégradent, mais je trouve quand même que tous les métiers dans le social, en règle générale, deviennent des métiers de plus en plus difficiles à faire aujourd'hui, hein. Ouais, je pense que je vais remonter par la rampe qui est en bas. Tous les métiers du social, ça devient tellement de plus en plus compliqué à faire. Hein. Et coucou Tic Tac. Oula. Pardon, excusez-moi. La dame, elle se met à s'étouffer en plein stream. Hein. On va passer par ici, t'as raison, on va remonter par le bas. Pour aller vers le haut. Psychologue et toutes ces variantes de travail, donc l'éducation nationale, du sport, mais aussi sociologue, docteur en psychologie. Ok. Je sais pas, je connaissais pas. Enfin, je savais pas du tout sur quel débouché on pouvait atterrir. C'est très rare qu'une infirmière reste à l'hôpital public toute sa vie. Il y a énormément de démissions, car ça en devient inhumain. L'hôpital privé est mieux que l'hôpital public. Je suis infirmier et je fais le travail pour 2 personnes. Ça, je suis pas étonnée, hein. J'étais en tant qu'auxiliaire de puériculture, j'ai fait beaucoup de stages et de très longs stages lorsque j'étais dans le... Enfin, auxiliaire, quoi, t'as compris. J'étais que stagiaire, donc j'étais même pas diplômée ou quoi que ce soit. Et littéralement, je comptais dans les effectifs. Alors que c'est archi pas, enfin non, c'est pas comme ça. Juste en fait, je comptais, enfin, officieusement, je comptais dans les effectifs. J'avais un nombre, enfin j'avais des chambres à m'occuper. Genre, j'avais entre la 1 et la 5. Et c'est moi qui allais voir ces mamans-là, qui faisaient les mises au sein, qui faisaient... Les soins, tout ce qui était en ma capacité de faire, hein, je le faisais, tu vois. Je déchargeais les réels professionnels qui étaient présentes. J'avais des chambres et je m'en occupais et c'était comme ça, tu vois. Hop. Cette partie-là de l'île, je la trouve plus colorée et plus sympathique. J'aime beaucoup la partie un peu plus colorée dans laquelle je suis. Oh, on a une petite vue sur le port, là, comme ça. Chimim, ça. On dirait un peu un festival, ici. Triste, car aujourd'hui, on n'arrive même plus à encadrer les étudiants comme on le voudrait. Ah, mais moi, je m'en souviens très bien. Hein. Je suis arrivée en maternité. Est-ce que j'ai tout vu? Je crois que j'ai tout vu, hein. Ouais, je crois que j'ai tout vu. Eh bien, écoute, merci bien pour cette magnifique visite, Romane. Hein. Moi, je m'en souviens très bien. Je suis arrivée à mon stage en maternité. La nana, t'aimais bien la maternité? Oh, c'était génial, ouais. C'était génial. Il manquait quelques coins, Romano, tu vois, hein. Coco Sticky, Kiskitty, pardon, comment vas-tu? Je m'en souviendrai toujours. Je suis arrivée en stage... Et j'ai dit à la nana, merci pour le follow, Skitty. Je suis arrivée en stage et là, elle me regarde et elle me dit, tu t'es déjà occupée des bébés? Fluffy, 18 ans. Non. Et encore moins aussi petit que ça, là, genre... Voilà, tiens, genre... Coucou Laura, genre des bébés qui ont 1-2 jours, hein. J'étais en mode, nah, moi, je sais pas faire, hein. Moi, je sais pas faire, tu vois. Donc, du coup, je lui dis non. Et là, elle me dit... Tu vois le bébé qui est là, elle me montre le berceau, elle me dit c'est un bébé qui est né par césarienne ce matin, très très tôt, le papa a dû partir etc, donc il pourra pas faire le bain, et la maman vu qu'elle a eu une césarienne, bah du coup elle peut pas se lever, donc du coup c'est nous, avec l'accord de la maman, qui allons faire le premier bain de cet enfant. Elle me regarde et elle me fait, tu vas le prendre et tu vas lui donner son bain. Je peux vous jurer, eh ben je peux vous jurer que ça forme, hein. Ah, ça forme, hein. T'es là depuis 5 minutes, ça forme. Allez, let's go. Elle me dit comme ça, elle me dit, t'as vu la théorie?
Elle me dit, t'as vu le module sur la maternité et tout? Ouais, ouais, j'ai vu en cours le bain et tout. Je sais le faire, enfin, j'ai déjà vu, tu vois. Bien sûr, j'avais déjà eu les cours théorie, etc. Enfin, la théorie. Elle me dit, je serai à côté. Je te regarde, hein. Eh ben, je peux t'assurer que quand c'est la première fois de ta vie que tu prends un bébé, un vrai bébé, pas les poupons qu'on te donne en cours, tu vois. Parce que les poupons qu'on te donne en cours, c'est des reborn, donc ils sont assez réels, mais c'est pas un vrai, quoi. Il respire pas, tu vois. Genre, il ouvre pas ses yeux comme ça. Quand tu le prends dans les bras, c'est juste... la pression, finalement. Du coup, quand tu te retrouves avec le bébé comme ça, en mode... T'es là en mode, je vais le casser, je vais le casser, je vais le casser, je vais le casser, je vais... Vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie, mais j'étais en flippé, un truc de fou, quoi. Dis Siri, donne-moi un chiffre, oula, donne-moi un nombre entre 1 et 16. Un nombre aléatoire entre 1 et 16 font 3. 1 et 16 font 3. 1, 16 fois 3 font 48. D'accord. C'est l'île de Cacahuète. Est-ce que tu es là, Cacahuète, hein? Ah là 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 là. Est-ce que tu es là, Cacahuète? Tu as une île sur le thème de... Alors, Everdale sur le thème féerique, hein? Trop peur de porter un bébé. Ah bah, je peux vous assurer que je m'en suis bien sortie. Ça s'est très très bien passé, mais sur le coup... c'était... Ah, c'était pas terrible, quoi. Oh. Oh. Il y a un bébé qui arrive, hein. Bah, du coup, si Cacahuète est pas là, on va prendre l'île, hein, qui est juste avant. C'est-à-dire, est-ce que Lexi est là? Bonjour. Bonjour, oui. Comment ça va? Ça pique? Bah non, ça pique pas. Mais non. Comment la pub elle sait que j'ai de l'acné? Coucou Méline, comment vas-tu? Et coucou Théo. Est-ce que du coup Lexi est parmi nous pas ce matin? Théo. Je crois que Lexi est pas là non plus. Elle m'a dit que je piquais du bras. Du coup, est-ce que... Ayame est là? Coucou Elia, comment vas-tu? Est-ce qu'il était bon ton gâteau d'anniversaire? Oui. Ah. C'est trop beau. Il était trop bon. Mais tu viens d'éteindre la lumière? Mmh. Rallume la lumière. Aïe aïe aïe. Oh. Bah du coup on va prendre dans les personnes qui sont présentes. Est-ce que la personne à qui appartient l'île, hein, Onikura, est présente? Je vois pas le pseudo en entier, c'est un J. Coucou jeu de pomme, comment ça va? Elle m'avait éteint ma lumière là, ça y est. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a deux enfants avec moi? Ah non, c'est dangereux ça. Pourquoi elle a ça dans les mains? Zé-moi, let's go, on y va. C'est un île sur la mythologie grecque, hein, dis donc. Ah, mais t'auras beau appeler Lana, il y a aussi Livouille. Hein. J'ai littéralement tout le monde dans ma chambre, là. Dans mon mètre carré. J'ai littéralement toute la terre entière ici. Donc, comment te dire que bon... Coucou bébé d'amour. Un gros dodo. Ouais non, tout ça parce que tu veux venir faire la star. Oui.
tout ça parce que tu veux venir faire la star. Elle veut venir faire la star. Elles ont payé la CFE pour être là? Même pas. Je peux te demander de sortir des affaires au début. Bah attends, je vais... Je vais m'arrêter bientôt. Dans tous les cas, je peux pas streamer aussi longtemps que prévu parce que... Bah on avait promis à Lana qu'on allait au jeu, donc au bout d'un moment, on peut pas lui dire non parce qu'on s'est levé à midi, quoi. Enfin, parce que vous, vous êtes levé à midi. Donc... ça va de soi, finalement. Oh! La mythologie grecque, attention! On y est. Oh, pardon. Ne pas annuler, c'est important, c'est ça. Vu qu'on lui a promis qu'on y allait, peu importe, maintenant, on se débrouille. On se débrouille, on va fuser, on va faire tout ce qu'on a à faire de façon très rapide. Mais on peut pas annuler, quoi. Enfin, on lui a promis... Oh, c'est magnifique! J'ai eu trop d'annulations étant enfant, c'est trop dur. Non, franchement... Oh, c'est dommage que ce soit pas droit. J'imagine que t'avais peut-être pas pensé... c'est du scornu! Non, franchement, pour un enfant, il y a rien de pire hein, que de lui dire « Oui, oui, on va y aller ». Et en fait, bah non, tu vois. Coucou Nozika, n'hésitez pas à venir, ceux qui sont sur TikTok, sur Twitch. Hein. C'est cool, merci de nous avoir rejoints, Nozika. Pour un enfant, genre vraiment, c'est trop trop dur. Tu lui as promis et tout, elle savait depuis le début de la semaine qu'on allait y aller, etc. Et finalement, tu lui dis non, quoi. Apollon. Ah, Apollon, dis donc. C'est l'arche qui était pas de la bonne taille. Franchement, j'aime trop la vibes de ton île. Genre le mélange entre les couleurs blanche, ivoire et le vert, hein, je trouve ça super beau. Merci Kamsup pour le follow et merci Nozika pour le follow. Je trouve que ça rend super bien, en fait, le mélange des deux couleurs ensemble, hein. C'est beau, hein? Attendez, c'est quoi, là? Oula, oula. C'est quoi? C'est le... Ah, comment il s'appelle, déjà? C'est le labyrinthe de... Oh! Putain, c'est... Le Minotaure, voilà, c'est ça, merci. Mais qu'est-ce qu'ils font, là-bas? Vous entendez ce qui se passe, hein? C'est Icare et le Minotaure. Trop bien. C'est la guerre chez toi un peu, non? Ouais, hein, je crois. Hein. Eh, c'est la guerre là-bas? On dirait deux gosses. Nozika, merci pour ton sub. Merci énormément, tu viens à peine d'arriver. On dirait des gosses, hein. Je vous le dis. C'est trop mimi ton truc de Minotaure, là. Attends. Où est-ce qu'il faut qu'on aille maintenant? Je me perds un petit peu. Si on va derrière l'île. Je sais pas, c'est une très très bonne question. Ouais, derrière. Hein. Allez, c'est parti. C'est beau! Attends. Les couleurs! Les couleurs sont belles! Faut qu'on passe par ici maintenant. Coucou, enfin, re, du coup. Là, il y a Nexus qui est en train de se battre avec les enfants pour faire le ménage, là, de ce que j'ai compris. Les enfants ne sont pas d'accord. Franchement, le mélange ivoire-blanc, j'adore. Hein. C'est magnifique. Hein. Stream Elements, c'est un bot. Les gens qui font leur île, je peux qu'admirer. J'ai juste plus ou moins réussi à faire une entrée et je suis vidée. Moi, personnellement, ceux que j'admire, c'est ceux qui font les intérieurs de maison.
Les intérieurs de maison, c'est... Voilà. Les intérieurs de maison, c'est un truc que je n'arrive pas à faire. Et la maison, j'étais pas inspirée à l'époque. Bah, après, la maison n'est peut-être pas forcément dans le thème, mais elle est très jolie. Donc, est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. L'intérieur, moi, je me suis grave améliorée grâce au DLC. C'est hyper agréable à ressentir. Hein. Le DLC, moi, je l'ai rage-quitte. Le DLC, je l'ai rage-quitte, donc... Je l'ai jamais fini, le DLC. Je m'étais fait spoiler la fin le jour... Ou le jour d'après. La sortie, et ça m'avait saoulée. C'est quoi ton style deal préféré? J'ai pas vraiment de style deal préféré. Moi, je sais que personnellement, tu vois... je suis plus branchée dans tout ce qui est naturel. Parce que je suis pas très dans le style urbain. J'avoue que le style urbain, c'est pas trop mon délire. Hein. Mais par contre, tu vois, regarder des îles urbaines, j'aime bien, tu vois. Oh! La salle du Ving, hein. Rien que pour débloquer les mêmes nouvelles fonctionnalités, il y a tellement de possibilités. Ouais, je sais, mais... je m'étais fait spoiler la fin, là, le jour de la sortie ou le jour d'après, et... Ouais, c'est ça, en fait. J'aime bien regarder et visiter les îles urbaines, hein, mais je ferai pas pour moi-même. Je ne ferai pas une île urbaine parce que je n'aurai rien à y apporter. Je n'aime pas y meubler. Ça ne m'intéresse pas, tu vois. Genre, non. On va continuer par ici. Oh, ça, j'aime trop, par contre. Le truc de vignoble, entre guillemets. Coucou, Chloé. C'est magnifique. J'adore les couleurs. Ça se tient. J'adore regarder des Ice and Tours sur YouTube en ce moment pour m'aider. L'urbanisme peut faire plein de choses vraiment sympas, mais je suis plutôt attirée par les cottagecore, forestcore. C'est ça. Plutôt les trucs colorés, naturels... C'est plus mon style à moi aussi. On va aller en haut. J'ai pas pu venir jeudi soir, j'ai révisé mes pensées, y a pas de soucis. Attendez, faut que je passe par là en fait. Ok. Ah, des petits jardins là. C'est quoi ça? Pourquoi y a de la lave partout là? Le Vésuve, hein. Oh, j'y étais pas du tout. Vous aussi, vous faites des volcans dans votre île, hein? Hadès. Oh! Inspiré de Fluffy. Vous aussi, vous faites des volcans? C'est cool, les volcans, non? Faites tous des volcans. Là, il y a un mort, hein. Hop. Nozika, merci pour le sub offert à Madame Wu. Merci beaucoup. Ça crie et ça pleure. Non, non, ça crie pas et ça pleure pas. C'est juste Nexus qui passe aspirateur. Mais non, 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 tout va bien hein, dans ma maison. Tout va bien. Petite épée au sol là. Et il y a Lana qui chante. Lana chante, donc c'est elle que vous entendez faire les... La 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 la. C'est une très belle chanson. Hein. Vous avez le concert en exclusivité, vous plaignez pas? Aussi bonne chanteuse que sa maman. Je suis pas sûre que ce soit un compliment pour elle. Attendez.
Ça se fâche. Il y a le daron qui se fâche là. Oh, c'est quoi ça? Il faut flipper eux, hein. Ah. Méduse. J'ai pas l'annonce. Nini. Non, non, Méduse qui change les gens en pierre. Nini les bons tuyaux. Non, Nini, elle fait une propagande inverse de ce que je suis en train de réaliser là. Moi je suis là en mode non, c'est pas grave. On va d'abord commencer, enfin continuer par le haut. Ici, il y a des détails pour lesquels j'ai pas trop les refs, hein. Mais les décos, en réalité, ça peut mettre du temps. Hein. Je vois Nausicaa qui dit qu'il a déjà mis 3-4 heures pour une île. Ça m'étonne même pas. Hein. Oh, ça, c'est. T'as essayé de représenter un peu les trucs célestes, non? En fonction de la déco que tu fais, si tu l'as. Si tu l'aboutis plus ou moins, ça peut être plus ou moins long. Hein. Zeus, voilà. Putain. J'ai pas les noms, je suis désolée. C'est terrible. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Hein. C'est l'Olympe. Oh, ça aussi. C'est super bien représenté, franchement, bravo. Puis alors moi, j'essaye de descendre dans le mur. Hein. Bien sûr, Fluffy, tout va bien. On sait que la nuit a été compliquée, mais quand même. Hein. Je crois que j'ai vu que la plage. Elles sont belles vos îles, hein. Ça doit pas être facile de faire quelque chose sur la mythologie grecque. Hein. C'est pas un thème qui est facile à réaliser. Hein. Va lire les... les Percy Jackson. Percy Jackson, j'avoue que j'ai juste vu le 1 et encore, hein, je m'en souviens plus. Non, je visite pas que des îles finies, Latifa. C'est vraiment pas un thème que j'ai vu, c'est vraiment sympa. Ouais, non, franchement, c'est pas commun, on va dire. Waouh. Attends, mais ça, on va aller voir dedans. J'ai dit lire, pas les films. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai précisé que moi, c'était le film que j'ai vu. Et j'ai vu que le 1. Et j'ai pas lu, enfin t'as compris quoi. Colisée? Je crois qu'il y en a 3, ouais. Non, peut-être pas Colisée. C'est pas Colisée? C'est pas Colisée, je crois. Arène de char. Il est beau ce temple. Hein. Il y avait Aphrodite sur la plage. J'ai pas fait attention, attendez. J'ai pas fait attention. Peut-être en allant plus vers la gauche. Ouais, attention. Quand je pense aux courses de chars, je pense toujours à Astérix et Obélix. Il y a 2 films et 1 série sortie récemment. Ok. Tu avais le port aussi près du labyrinthe. Hein. Comment est-ce que je peux y retourner? On va aller par là. Le port, le port. Coucou Alizé. Le port, le port. Ah, ici. On l'a trouvé. Oh, j'aime trop les pierres là comme ça. Tu
Tu te souviens du motif ou pas du tout? Oh, attends, là. Par contre, l'énorme crabe, là, comme ça, il me tend un peu, quand même. Hein. Il me tend un peu. Les pierres que t'as utilisées, je les trouve vraiment magnifiques, en fait. Le crabe araignée. Ah ouais, je sais pas, mais il est pas beau. Hein. Il est vraiment pas beau, hein. Pas beau, pas beau, hein. Putain, il est déjà 13h40. Je dois m'en aller. J'ai un enfant à emmener au jeu. C'est urgent de chez urgent, de chez urgentiste. On est en retard sur le planning, mes amis. On lui avait promis. Donc, crois-moi que... Let's go, quoi. Ça aura été un tout petit stream. Mais il faut que je décampe. Hein. Il faut que je décampe très rapidement. Sinon, les enfants vont pas être contents. Moi, je vous le dis. Hein. On peut venir avec vous. C'était court. Non, même pas, Elise. Là, il faut que j'aille... En fait, on avait promis à Lana qu'on l'emmènerait pour son anniversaire à une espèce de grosse fête foraine, enfin avec des jeux, etc. Enfin bref, pour son anif, quoi. Et du coup, bah... Bon, demain, on sera pas en retard, hein. Demain, on viendra vraiment à 10h, hein. Et puis voilà, quoi. Elle est née aussi début avril. Ah, nous, on est tous nés en avril. OK. Elle est née le 3, je suis née le 8, et mon autre fille est née le 27. D'accord. Nous, on fait des tirs groupés. Ok. C'est... on fait un rassemblement. On fait un rassemblement. J'ai une putain d'idée. Tu tous nos problèmes. Non, c'est pas l'idée. L'idée, on en discute après. Mais franchement, on récupère tout le temps qu'on a perdu toute la journée. Et en plus, je te force même pas à aller faire des courses, du coup. Mais moi, je pouvais aller faire les courses. Non, arrête, je te crois pas. Dans ce cas-là, va faire les courses et moi, je vais aller aux enfants avec Anna. Je suis pas le permis. Oui, c'est ça. Allez, merci beaucoup, Wask, pour le follow. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour ce stream qui aura... Bon, 2h30 quand même, ça va, c'est pas non plus... ça va. On aurait pu faire pire. Je vous dis à demain. Normalement, demain matin, c'est Coral Island. Voilà, on verra bien ça. Je vous fais des gros bisous. Je ne pense pas relayer ce soir. Hein. On va essayer de faire des trucs un peu avec les filles. Hein. Enfin bref, je vous fais des gros bisous tout le monde. Je vous souhaite une bonne après-midi. En plus, il fait beau, il fait chaud aujourd'hui. Je crois qu'il fait 25, un truc comme ça. Bref, je sais pas, il fait super beau et super chaud. Profitez de sortir. Des bisous. T'as dit quoi, toi? Il fait lourd, ouais. Des bisous tout le monde. Tu dis au revoir? Ah, ils sont contents. Bisous bisous.